Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous poursuivons le cycle de rencontres entamé le 19 avril dernier, cycle de rencontres intitulé Dernières nouvelles de la préhistoire et consacré à l'actualité de la recherche en préhistoire et en paléoanthropologie. Ce cycle a été conçu en étroite collaboration avec Claudine Cohen. Claudine Cohen, qui est historienne et philosophe des sciences, spécialiste des sciences de la préhistoire. La séance de ce soir, Quoi de neuf sur les sociétés préhistoriques, est consacrée aux dernières découvertes en archéologie et en recherche sur la préhistoire pour appréhender ce qu'ont pu être les sociétés préhistoriques il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous aborderons ce soir le paléolithique, pardon, mais aussi le néolithique, chronologiquement plus proche de nous, la place des femmes dans les périodes anciennes, dans ces périodes anciennes, ainsi que la manière dont se fait ce travail de recherche. Pour cela, je suis très heureux d'accueillir Claudine Cohen, ainsi que les archéologues Boris Valentin et Jean-Paul Demoule, et tous s'entretiendront avec Romain Pigeot. Bonsoir, Romain Pigeot. Bonsoir. Vous êtes docteur en préhistoire et chercheur associé au CNRS et à l'EHESS. Depuis 2016, vous présidez la maison d'édition Totem et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, et j'en citerai deux en particulier, sans doute les plus récents. Histoire d'ancêtres, la grande aventure de la préhistoire, dont vous êtes co-auteur en 2015 aux éditions Errance, et ainsi que Lascaux, histoire et archéologie d'un joyau préhistorique aux éditions du CNRS en 2017. Alors avant de vous laisser la parole, j'invite le public qui nous suit en direct à poser des questions en ligne via le fil de discussion de la page Facebook de la Bibliothèque publique d'information. Nous pourrons ainsi transmettre certaines de vos questions en direct aux intervenants qui pourront y répondre. Romain Pigeot, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer le débat que nous allons avoir entre trois grands chercheurs. La question est de thématique, c'est quoi de neuf sur les sociétés préhistoriques, mais aussi quoi de neuf sur la science préhistorique. La science préhistorique, comme on va le voir, traite des choses du passé, mais nous offre également des réponses et des pistes de réflexion pour la société actuelle, pour les questions que nous nous posons dans la société de notre temps, que ce soit sur l'évolution des mœurs, sur la réponse au changement climatique et sur la réponse à différents problèmes qui pourraient se poser en termes d'évolution économique. Donc là, les trois chercheurs qui vont parler, avec qui nous allons débattre, sont justement vraiment passés maîtres dans ces questions-là, et nous allons pouvoir le découvrir à l'occasion de leur prise de parole. Alors, nous allons d'abord écouter Boris Valentin, pardon, archéologue et professeur d'archéologie préhistorique à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui est le co-auteur avec Jean-Michel Genest d'un excellent livre, Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire, qui justement pose la question des liens entre la préhistoire et le reste de l'évolution humaine. Peut-on vraiment distinguer préhistoire et histoire? Ne peut-on pas imaginer qu'il y a un continuum de l'évolution depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui? Nous allons ensuite écouter Claudine Cohen, donc Bonjour. philosophe et historienne des sciences, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui vient de publier un livre, Nos ancêtres dans les arbres, qui traite également des racines de l'évolution humaine et de ses différentes ramifications dans les problématiques actuelles, notamment sur la place des femmes. Et nous terminerons en écoutant Jean-Paul Demoule, donc archéologue et préhistorien, professeur émérite donc à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président fondateur de l'INRAP, qui a sorti également ce livre au titre évocateur L'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps. Alors, je vais commencer par céder la parole à Boris Valentin, qui va nous Bonjour. parler pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, nous écouterons Claudine Cohen et enfin Jean-Paul Demoule. Boris Valentin, c'est à vous. Merci Romain. Alors c'est un plaisir pour moi de vous présenter la façon dont on étudie aujourd'hui les sociétés de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Donc moi je vais parler de ce qu'on appelle dans notre jargon le paléolithique et le mésolithique aussi. Et c'est Jean-Paul qui viendra ensuite parler des premiers paysans ensuite.
Un plaisir et un immense défi en 20 minutes, hein, car ces recherches sur les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire et de ce qu'on peut percevoir de leur société portent sur 3 millions d'années et se sont déployées sur tous les continents, révélant des humanités très diverses. Vous en avez eu un aperçu, je crois, lors de la séance sur la paléoanthropologie. Et ces recherches aujourd'hui mondialisées révèlent aussi une grande diversité des trajectoires historiques au cours de ce qui représente plus de 99% de l'histoire des humains. Alors en 20 minutes, moi j'ai choisi de vous emmener à ras de terre et de montrer un peu par le petit bout de la lorgnette à quoi ressemble aujourd'hui un travail d'équipe sur un site archéologique où j'ai aussi le plaisir de diriger des recherches. Il s'agit d'Étiole, à 50 km de Paris, une petite carte en bas, je ne sais pas si on discerne bien, c'est en face de Corbeil-Essonnes, en bord de Seine, un site qui figure donc sur Internet, à côté des grottes Chauvet et de Lascaux. Et je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Diapositive suivante. Nous y sommes une vingtaine de chercheurs à y travailler avec diverses spécialités, géologie, datation, études des restes animaux, des techniques de taille du silex, etc. L'archéologie, en particulier préhistorique, est devenue le domaine d'investigation le plus interdisciplinaire aujourd'hui en sciences sociales. Donc une vingtaine de chercheurs, plus des stagiaires de l'université tous les ans, à chaque saison de fouille, c'est l'été que nous fouillons, environ 1 700 au total qui sont venus de tous les continents et sont passés à Étiole depuis le début des recherches. Diapositive suivante. Le début des recherches était il y a près de 50 ans, suite à la découverte de silex taillé dans un champ en bord de Seine, c'est ce qui est évoqué en haut de la diapositive. D'abord des fouilles d'urgence au centre, puis des fouilles chaque année, des fouilles programmées, on dit, c'est un programme de recherche. Ce ne sont pas des fouilles donc préventives d'urgence, comme celles que mène l'INRAP, par exemple, même si des chercheurs de l'INRAP nous font bénéficier régulièrement de leurs compétences. Et le noyau de l'équipe à Étiole, ce sont des enseignants de l'Université Paris 1 et des collègues du CNRS. Diapositive. Voici les pionniers. À gauche, Yvette Taborin, qui désigne de son doigt de beau vestige, qui fut professeur à Paris 1. À droite, deux de ses étudiantes en 1972. En haut, Monique Olive, qui a dirigé ensuite les recherches et les co-dirige toujours avec moi. Et en bas, Nicole Pigeot, à droite, qui fut professeur aussi à Paris 1 et qui est récemment décédée, comme Yvette Taborin. Yvette, vous la voyez à gauche faire visiter Étiole à André Leroy-Gourhan, qui regarde vers nous. André Leroy-Gourhan, qui était alors professeur au Collège de France, qui avait révolutionné peu de temps avant les méthodes de fouilles et de recherches en préhistoire, à Pincevent. Il se revendiquait alors d'une ethnographie préhistorique, j'y reviendrai un peu. Pincevent, un site de même époque qu'Étiole, est presque voisin. Diapositive suivante. Pincevent, près de Fontainebleau, que je connais bien car j'y ai commencé ma carrière, partage avec Étiole, que vous voyez ici, c'est Yvette Taborin qui marche sur un des sols d'Étiole. Pincevent et Étiole partagent le même âge, les environs de moins 15 000 avant aujourd'hui. Et malgré cet âge très reculé, ils partagent une qualité de conservation exceptionnelle, vous le voyez sur cette photo. Alors pour faire image, on parle pour les deux sites parfois de Pompéi de la préhistoire. Ce ne sont évidemment pas des cendres volcaniques qui les ont ensevelis, bien sûr, mais les alluvions douces qui ont été déposées par la Seine chaque année, la Seine qui bordait donc ces deux gisements il y a 15 000 ans aussi. Et diapositive suivante, ces alluvions douces ont fossilisé à Étiole plusieurs campements saisonniers successifs, au moins une quinzaine. Les gens sont revenus une quinzaine de fois il y a 15 000 ans. C'est ce qu'on devine sur l'image en bas à droite, où l'on voit des fouilleurs sur des marches d'escalier artificielles au-dessus du campement sur lequel se tient Yvette Taborin. Ce que vous voyez au plus bas, sur l'image de droite, l'encart de droite, c'est le sol sur lequel marche Yvette Taborin à gauche. En fait, ces marches, ce sont des portions de campements plus récents donc plus haut dans l'empilement des couches. Alors, je reviens à la qualité de conservation exceptionnelle vu l'ancienneté. Rien n'a bougé, hein. Tout est à la place où les gens ont laissé les vestiges il y a 15 000 ans. À l'échelle de l'Europe tout entière, on ne compte qu'une toute petite dizaine de gisements de cette époque et de cette qualité. Et en ce moment, Étiole est le seul en cours de fouille. Diapositive suivante. Alors, précisons maintenant un peu de quelle époque il s'agit. Il y a 15 000 ans, on est à la fin des temps glaciaires, dans des paysages de steppe froide, où il y a une évocation au haut à droite.
et aussi pratiquement à la fin de la préhistoire européenne, qui avait commencé 500 000 ans plus tôt. Les premiers peuplements dans l'Europe moyenne, c'est il y a 500 000 ans. Donc là, on est seulement il y a 15 000 ans, c'est la fin de la préhistoire. Depuis 40 000 ans, cette Europe était peuplée par des gens qui nous ressemblent beaucoup physiquement, étant de la même espèce que nous, des Homo sapiens, on dit aussi parfois des hommes de Cro-Magnon, pour cette période ancienne de notre espèce, au cours de laquelle ils ont succédé en Europe, vers moins 40 000, à Néandertal. Alors ce sont ces anciens sapiens qui ont peint la grotte Chauvet, 20 000 ans avant les campements d'Étiole. Hein, à noter qu'il s'est donc écoulé plus de temps entre Chauvet et Étiole qu'entre Étiole et aujourd'hui. Lascaux, c'est plus proche d'Étiole en proportion, 7 000 ans d'écart seulement. Lascaux est plus vieux de 7 000 ans, donc vers moins 21 000 environ, moins 22 000. Et Étiole, c'est moins 15 000. À toutes ces époques, depuis 40 000 ans, donc, les gens en Europe sont nomades, vivant de chasse et un peu de cueillette. Et l'époque spécifique, il y a 15 000 ans, c'est celle d'un grand courant culturel que les préhistoriens appellent, dans leur jargon, le magdalénien. Diapositive suivante. Vers moins 15 000, en effet, depuis l'Espagne jusqu'à l'Angleterre et à la Pologne, on passait à l'époque à pied sec en Angleterre, car le niveau des mers était plus bas, puisqu'il faisait très froid. Donc, depuis l'Espagne jusqu'à l'Angleterre et à la Pologne, on trouve des habitudes partagées dans les techniques quotidiennes. Vous avez quelques évocations en haut à gauche, on y reviendra, pour les bijoux aussi, ainsi que pour les symboles probablement religieux. À partir du nom du site de La Madeleine en Dordogne, les préhistoriens ont forgé au XIXe siècle cette dénomination de magdalénien qui désigne toutes ces coutumes partagées sur un vaste espace. Alors comment toutes ces idées techniques et symboliques se sont propagées sur des distances si considérables, à une époque où les transports sont très réduits, où il n'y a pas de commerce, comment cela s'est-il produit? On peut, si vous le voulez, en rediscuter de cette problématique fascinante après l'exposé un peu plus tard dans la soirée. Notons pour l'instant que les environs de moins 15 000, c'est l'époque aussi où en quelques endroits du monde, comme la Chine, ou le Proche-Orient, on observe des modes de vie très différents chez des chasseurs-cueilleurs sédentaires cette fois. Hein, ceux-là sont des chasseurs mobiles, nomades. Diapositive suivante. Et la sédentarité, eh bien, on en a des preuves il y a 15 000 ans. En Chine, vous disais-je, au Proche-Orient aussi. Donc là, ce sont des maisons qui ont été découvertes récemment en Jordanie, au Proche-Orient, donc, où l'on a trouvé aussi les plus vieilles traces de pain fabriqués avec des céréales sauvages, des céréales qui ne sont pas encore cultivées chez ces chasseurs-cueilleurs sédentaires. Et dans cette région du monde, ce n'est que 5000 ans plus tard, vers moins 10 000, que les gens commencent à cultiver cette fois-ci des plantes, et c'est à partir de là que les pratiques agro-pastorales essaimeront pour atteindre la région parisienne, 3000 ans encore après, vers moins 7 000, une petite carte en bas à droite qui l'évoque, et Jean-Paul en reparlera, je l'imagine. Diapositive suivante. On revient donc à Étiole et aux nomades du Magdalénien, une véritable civilisation du Rennes, au sens où ces sociétés de la fin des temps glaciaires ont centré leur économie sur l'exploitation de cet animal, de sa viande et de tous les produits dérivés. C'est ce qu'attestent directement à Étiole des objets en bois de Rennes, par exemple. Vous en voyez un en haut à droite, c'est un fragment de pointe de saguet. Et ce dont témoignent indirectement des traces d'usure visibles, à fort grossissement seulement, sur des outils de pierre destinés à travailler des pots qui, elles, ne se sont pas conservés. C'est la vignette à gauche. Donc vous avez les outils en silex et vu à fort grossissement des traces de travail sur les pots qui ont servi à faire les vêtements, les couvertures de tentes, etc. Les gens sont donc venus à Étiole pour chasser, principalement des petits groupes de rennes, et très secondairement le cheval, on reviendra sur le cheval tout à l'heure, et en exploiter les produits, donc ce qu'attestent outils et fragments d'armes abandonnés. Diapositive suivante. Et les spécialistes des restes animaux ajoutent, à partir de divers indices probants, que les gens sont venus et revenus à Étiole pendant les mois de printemps et d'été. Diapositive suivante. Ils sont venus et revenus installant au moins 15 campements, dont les restes empilés sont séparés par les dépôts alluviaux stériles de la Seine. C'est une sorte de millefeuille, donc avec des sols d'habitat, et entre les sols d'habitat, des épaisseurs de limon stérile. Alors, quel intervalle de temps séparait chaque passage? Nous ne le savons pas, car nos méthodes de datation ne sont pas assez précises.
Et nous ignorons aussi où il se rendait précisément entre-temps, l'hiver par exemple, diapositive suivante. On sait seulement à quelle échelle ils nomadisaient à partir des provenances de coquillages fossiles, en haut à gauche, qu'ils utilisaient comme éléments de bijoux, colliers ou bracelets, ou bien brodés sur des vêtements. Et là, ces provenances de coquillages fossiles désignent un rayon de pérégrination de 80 km environ en région parisienne. On reconstitue aussi l'ampleur de ce nomadisme courant, bon, toujours le même rayon, à partir de la provenance d'outils en silex, en bas à gauche, qui constituaient les trousses de voyage avec lesquelles ils arrivaient donc à Étiole. On connaît aussi à cette échelle une vingtaine d'autres gisements de même époque, magdaléniennes, ce sont les points orange sur la carte, notamment le gisement de Pincevent, où se déroulaient pendant l'automne des chasses portant sur un grand nombre de rennes, donc peu de rennes à Étiole pendant le printemps et l'été, à l'automne à Pincevent, un grand nombre de rennes au cours d'une des migrations annuelles. Hein, des chasses sans doute préparées à l'avance, vu toute l'organisation que cela suppose. Diapositive suivante. Comme on connaît aussi des gisements magdaléniens dans la région parisienne occupée l'hiver, on peut donc proposer ce type de complémentarité entre étapes saisonnières des parcours nomades en Île-de-France à l'époque du magdalénien. Mais cette reconstitution économique, avec, vous voyez, les magdaléniens à la belle saison à Étiole et à l'automne à Pincevent, reste une hypothèse, car les datations, essentiellement par le carbone 14, ne sont pas assez précises. Deux siècles d'approximation pour chacune, hein, des marges de deux siècles. Ces datations sont trop approximatives pour affirmer qu'Étiole et Pincevent appartenaient exactement au même cycle de nomadisme. Pas impossible, en fait, que l'organisation économique ait changé entre les deux. La conséquence, c'est que notre façon d'écrire l'histoire de ces époques est très particulière. Voilà pourquoi je parle souvent de paléohistoire pour dire cette particularité. Diapositive suivante. La paléohistoire, j'y reviendrai, cerne un temps très long qui se compte en siècles et en millénaires, ça grâce au carbone 14 pour ces périodes. D'un autre côté, ce qu'André Leroy-Gourhan, ce que vous avez en haut de la diapositive, ce qu'André Leroy-Gourhan appelait l'ethnographie préhistorique, le décryptage minutieux d'un campement comme Étiole, au moyen des analyses que je suis en train de vous résumer, cette ethnographie préhistorique très particulière, elle aussi, c'est une ethnographie très particulière, avec ses limites, ses contraintes, elle appréhende des durées très brèves, quelques semaines au plus, correspondant donc à une étape saisonnière. Et entre les deux, il y a donc des durées qu'on peut saisir qu'au moyen d'hypothèses, celle par exemple que j'ai formulée à propos du cycle économique annuel en région parisienne. Et si vous voulez, on pourra aussi revenir après la présentation sur les moyens de vérifier ces hypothèses. En attendant, retour à Étiole et au décryptage minutieux du temps très bref d'un campement, donc l'ethnographie préhistorique en action, photo suivante, diapositive suivante. Dans ce contexte d'Étiole, on a réuni pas mal d'informations sur les manières d'habiter de campement en campement, des manières répétitives, et je m'arrête un instant là-dessus. On nous demande souvent pourquoi continuer à fouiller à Étiole. Hein. Après presque 50 ans, vous ne trouvez pas toujours la même chose, nous demande-t-on, y compris des collègues parfois. Oui, en partie, on retrouve la même chose, et c'est très précieux. Il y a donc peu de gisements aussi bien conservés, peu de gisements tout court pour cette époque, une vingtaine en région parisienne, vous ai-je dit, pas tous aussi bien conservés qu'Étiole, tant s'en faut. Une vingtaine couvrant à peu près 1000 ans d'époque magdalénienne en région parisienne, ça représente un site tous les 50 ans, hein, pour faire image. Donc c'est très peu. La base statistique est donc très faible, vous le voyez, si bien qu'on est très gourmand d'un peu de répétitivité quand on observe, pour conforter nos observations. Des observations répétitives qui montrent donc à Étiole des habitations plutôt circulaires, matérialisé parfois comme en haut à droite par un cercle de pierre meulière servant probablement à caler une couverture. Pour l'évoquer, cette couverture au centre, on s'est inspiré de huttes coupolaires encore en usage chez des populations actuelles nomades de Sibérie. Vous en avez une image en bas à gauche. L'ethnographie actuelle est donc parfois mise à contribution, autant que de besoin, sur le principe qu'il existe à travers le temps de grandes constantes. Par exemple, que l'habitat nomade en région froide, c'est-à-dire léger mais protecteur, possède un nombre de formes limitées. Ajoutons qu'au centre des habitations d'Étiole, on trouve au milieu à droite des grands foyers appareillés de pierres réfractaires, généralement des meulières aussi,
Et à l'extérieur des habitations, des poubelles de silex ou bien de cendres provenant des foyers qui montrent qu'il y avait du ménage régulièrement. Hors des habitations, on trouve aussi des petits foyers annexes, comme en bas à droite, auprès desquels ont été réalisées diverses activités de plein air, comme de la taille du silex, en plus de celles qui se pratiquaient à l'intérieur des habitations. Plusieurs habitations et leurs dépendances, donc, coexistaient dans chaque campement, comme on le voit en haut à gauche, sur le plan d'un campement fouillé sur 700 m² qui a été étudié donc très en détail. En réassemblant les silex entre eux, on a pu montrer qu'une des habitations, U5, je ne sais pas si vous arrivez à discerner, c'est celle qui est tout en haut, P15, celle qui est au milieu, une des habitations a reçu pas mal d'outils de l'autre, U5, en haut, où œuvraient un ou plusieurs très bons tailleurs. Et on en a déduit qu'il y avait probablement des liens forts, sans doute familiaux, entre les occupants de ces deux habitations. Ainsi, sur un gisement aussi bien conservé, en poussant les études loin, c'est un des avantages d'une équipe pluridisciplinaire qui a du temps et un fort ancrage universitaire, en poussant les études, on peut reconstituer, vous voyez, des bribes de sociologie préhistorique. Diapositive suivante. L'équipe étudie aussi de près la manière de tailler ce silex en réassemblant les fragments découverts pour reconstituer minutieusement les dallettes d'un silex local très pur qui faisait une part de l'attrait du site, en plus des bonnes conditions de chasse. Une fois les volumes d'origine reconstitués, il est ensuite possible de suivre un par un les gestes des tailleurs préhistoriques comme si on se plaçait derrière leur épaule. On reconnaît dans ces gestes des manières de faire caractéristiques du courant culturel magdalénien, observé jusqu'en Pologne, par exemple. On reconnaît aussi des touches personnelles avec deux extrêmes. D'une part, en bas à gauche, des savoir-faire déficients ou tâtonnants, qui sont la marque d'apprentis, sans doute des enfants. De l'autre, de véritables performances en termes de longueur, des produits de silex qui font plus de 40 cm parfois, des prouesses que ne savent pas encore accomplir les chercheurs d'aujourd'hui qui tentent de reproduire les techniques de taille préhistoriques. Des prouesses dues à quelques maîtres tailleurs, à droite. Et les études ont montré que non seulement ces maîtres tailleurs avaient accès aux meilleurs silex, mais aussi qu'ils taillaient au plus près des foyers, tandis que les apprentis s'entraînaient à l'écart sur du silex moins bon, ou même sur des déchets de taille laissés par les grands tailleurs. Encore quelques bribes de sociologie. Diapositive suivante. Un peu de sociologie encore, mais à une autre échelle. On a évoqué déjà les parcours saisonniers au sein de la région parisienne, avec transport de quelques outils en silex et de bijoux. D'autres coquillages, en haut à droite, détachés aussi de bijoux, proviennent des rivages de l'Atlantique de l'époque et ils ont sûrement été acquis par échange. Ils matérialisent donc les réseaux d'alliances à longue distance par lesquels ont transité aussi les idées qui constituent le courant culturel magdalénien. Si vous voulez, on y reviendra. Restons pour l'instant dans le monde des symboles pour évoquer une très belle découverte, diapositive suivante. Il y a 20 ans, après avoir prélevé les pierres de ce foyer, on a découvert en les nettoyant un témoignage important sur la vie spirituelle des Magdaléniens, un galet en calcaire qui, après avoir été orné, a rejoint la sphère profane en servant de simple pierre réfractaire, diapositive suivante. Auparavant, le galet de Seine avait été, c'est un galet ramassé dans la Seine, un galet de calcaire, avait été gravé de symboles animaliers, dans le plus pur style magdalénien, celui que l'on retrouve à la même époque dans des grottes peintes de Dordogne ou des Pyrénées, comme Rouffignac ou Miaux. Sur une face, un cheval et deux rennes, intriqués et tête bêche, c'est la petite figure du bas, et sur l'autre, celle qui est agrandie, un cheval peut-être mort, l'œil fermé, la langue tirée, les pattes étirées comme s'il était sur le sol, et on voit une sorte de flèche schématique sur son poitrail. Et puis derrière lui, une créature monstrueuse, comme on en trouve parfois dans l'art paléolithique, un être sur deux jambes avec des seins affublés d'une tête de félin aux bras prolongés de griffes, un monstre en somme. De toute évidence, c'est un fragment de mythe puissant qui est conservé là, et c'est ça qui fait de l'œuvre une pièce maîtresse de l'art du paléolithique récent européen. Et si cela vous intéresse, vous aurez peut-être l'occasion de la voir le 15 octobre prochain au musée du Louvre, où nous l'apportons. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Diapositive suivante. Il y a presque 20 ans, donc, le galet au cheval mort avait donc été découvert dans ce foyer, en bas. Et puis, dans le même foyer, juste avant le départ, les Magdaléniens ont abandonné un cou de cheval, le seul reste de cette espèce pour ce campement, et un cou, une encolure intacte, dont la viande n'a pas été prélevée. Une offrande probable, par conséquent. Or, en reprenant les fouilles dans ce même secteur en 2018, il y a eu une autre découverte excitante, diapositive suivante. Dans un autre campement plus récent,
plus haut dans l'épaisseur du millefeuille, le bassin intact d'un autre cheval a été abandonné, sans à nouveau qu'on ne prélève de la viande. Il est donc plausible qu'un certain temps après le dépôt du galet, puis du coup, une nouvelle offrande a eu lieu avec le bassin, par les mêmes gens ou par d'autres, qui avaient gardé la mémoire des faits sacrés qui s'étaient déroulés là. Il est très rare qu'on puisse aller jusque-là en archéologie préhistorique, et cela vaut le coup de fouiller près de 50 ans si on peut explorer aussi loin le monde des croyances et des rituels. Je m'arrête un instant sur l'importance de la découverte en archéologie préhistorique. Vu la base statistique très faible évoquée tout à l'heure, le poids de la découverte est très fort, car toute découverte peut ouvrir de grandes perspectives, voire bousculer des théories. D'où l'impression fausse que le savoir dans ce domaine est très peu cumulatif, qu'il n'y a pas de progrès. Ce n'est pas exactement ça. J'ai trouvé l'autre jour une image assez bonne, je crois, auprès de mes étudiants. Un mur d'escalade avec peu de prises. Et quand une nouvelle prise apparaît, une nouvelle découverte, il arrive assez souvent qu'on change un peu ou beaucoup de chemin. Mais le chemin avance, progresse. On sait beaucoup plus de choses qu'il y a 50 ans. Diapositive suivante. Il faudra bientôt conclure, Boris, oui. S'il te plaît. D'accord. Écoute, on va passer. C'était juste pour rebondir un tout petit peu sur la paléohistoire, donc replacer Étiole dans son contexte. On peut passer la diapositive suivante également. Diapositive suivante. Voilà, replacer Étiole dans son contexte est aussi possible grâce à des études géologiques qui se développent sur le site. Là, vous avez une évocation en haut à gauche de l'apparence que pouvait avoir la Seine il y a 15 000 ans. Et nous avons maintenant l'espoir aussi d'avoir des occupations un peu plus anciennes à Étiole. Diapositive suivante. Voilà, des occupations aussi un peu plus anciennes qu'Étiole sur l'autre rive, où une fouille se déroule en collaboration avec des membres de l'équipe, en coopération entre l'équipe et l'INRAP, et où vous voyez se développe aussi tout un programme de valorisation de la préhistoire. On est ici à Corbeil-Essonnes, au Tarteret, et comme à Étiole, tout un travail en direction donc de publics nombreux pour valoriser la préhistoire. Diapositive suivante. Lutter contre les stéréotypes, et je terminerai là-dessus. Un des enjeux pour la préhistoire, à mon avis, c'est de dépasser le mythe persistant d'une préhistoire immobile, congelée en quelque sorte, où toutes les époques se télescopent, comme dans La guerre du feu de Jean-Jacques Hannaud. Une sorte de sauvagerie originelle, dont l'humanité serait sortie tardivement et brutalement, tout s'enchaînant ensuite mécaniquement, l'agriculture, la machine à vapeur et le capitalisme, triomphant ou déclinant selon les goûts. Ascension prodigieuse ou chute vers la catastrophe, cela dépend des points de vue, donc, mais ils se rejoignent dans le fatalisme de l'inéluctable. Or, l'archéologie nous enseigne, tout au contraire, qu'à chaque étape, il y eut des alternatives. Le néolithique n'était pas automatique, comme le rappelle plaisamment le dessinateur Jules, et Jean-Paul va y revenir, je pense, dans un instant, et ce néolithique fut très divers. Voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et effectivement, tu as bien fait de partir du terrain. Comme le dit le professeur Jean Guilaine, qui ne fouille pas bas ne peut que bafouiller. Effectivement, la préhistoire part du terrain. Et c'est vrai que tu as soulevé beaucoup de questions, notamment sur cette dimension vertigineuse, le fait qu'il y ait plus de temps entre Chauvet et Étiole qu'entre Étiole et nous. Effectivement, la question de l'homogénéité ou l'hétérogénéité de la préhistoire, trop souvent on englobe la préhistoire dans un grand ensemble alors qu'il y a beaucoup de diversité, aussi bien régionale que chronologique. Et toute cette question de savoir cumulatif aussi est essentielle, et je pense que ce sera un point essentiel du débat que nous aurons tout à l'heure. Je vais céder la parole maintenant à Claudine Cohen pour les 20 minutes sacrées. Merci Romain. Voilà. Donc, je suis tout à fait ravie d'être ici et je vous dis bonjour à tous. Et surtout d'intervenir après cet exposé tout à fait précis et engageant de Boris Valentin, qui nous a bien montré à la fois les difficultés, mais aussi les efforts et parfois les succès de ce que le roi Gouran appelait la paléethnologie, et ce qu'il a appelé aussi une sorte de sociologie préhistorique. Alors, dans son PowerPoint, il y a eu quelques images de femmes,
qui sont bienvenus, parce que très souvent, l'iconographie, la préhistoire, en tout cas très longtemps, a été presque exclusivement masculine, sauf quelques images de femmes qui étaient souvent très stéréotypées. Et je voudrais dire que le sujet dont je parle est un sujet qui s'est ouvert relativement récemment, il y a une cinquantaine d'années, et nous verrons, c'est surtout dans les pays anglo-saxons qu'on a commencé à en parler, et en France, peut-être depuis une vingtaine d'années. Et certainement que la question de la distribution des rôles, la question du genre, de la construction sociale des sexes, est une question extrêmement difficile à aborder dans ces sciences de la préhistoire, dont vous avez vu qu'elles se nourrissent de choses extrêmement ténues, de traces, de restes très partiels, de fragments dispersés, auxquels il faut donner une signification, une intelligibilité. Et vous avez vu, par les quelques exemples que vous a donné Boris, à quels efforts sont contraints les préhistoriens pour arriver à faire parler ces vestiges. Or, pendant longtemps, les préhistoriens n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour parler des femmes. Et souvent, on a dit qu'elles étaient invisibles d'un point de vue archéologique, qu'on ne pouvait pas distinguer un homme d'une femme sur un site préhistorique et encore moins sur un caillou taillé, comme Boris vous en a montré. Le caillou n'a pas de sexe et rien ne dit si, a priori, quand on s'efforce de le décrire, de le classer, comme ont fait très longtemps les préhistoriens, rien ne dit si c'est un homme, une femme qui l'a fait, qui l'a fabriqué, qui l'a utilisé, etc. De plus, malgré tous ces efforts de paléethnologie et de sociologie préhistorique, on sait quand même très peu de choses sur l'organisation des sociétés paléolithiques, surtout aux périodes les plus anciennes. Bon, on sait de quoi elles vivaient, on sait en particulier pour le paléolithique supérieur, cette organisation des chasseurs-cueilleurs qu'ils étaient, mais en général, on ne détaille pas trop les rôles de chacun. Alors, tout cela, cette sorte de mise à l'écart de ces questions, a finalement eu pour effet pendant longtemps de reléguer cette question de la différence des sexes à quelque chose dont on ne voulait pas parler. Et comme on n'en parlait pas, eh bien, revenaient en force toutes sortes de poncifs, d'idées reçues, qui habitent toujours le discours sur la différence des sexes, y compris aujourd'hui, et qui se trouvaient en quelque sorte plaqués sur les représentations de la préhistoire. Et ce sont ces représentations qui m'intéressent et sur lesquelles je travaille depuis longtemps, et c'est ça qui m'a amené en particulier à travailler sur cette question des représentations de la femme dans la préhistoire et de ce que les scientifiques peuvent en dire aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, il s'agit de critiquer, en quelque sorte, ces idées reçues, ces idées souvent androcentriques, centrées sur l'homme, ou même machistes, comme l'ont dit les féministes américaines. Alors, voici par exemple deux visions tout à fait caricaturales qui datent, pas d'aujourd'hui bien sûr, qui datent du 19e siècle, mais qui en quelque sorte ont perduré plus ou moins dans l'inconscient collectif. D'un côté, à droite, vous avez une famille à l'âge de pierre, avec cet homme viril, musclé, armé, barbu, qui regarde vers le lointain et vers l'avenir et vers tout ce qu'il va créer et tout ce qu'il va inventer. Et puis, sous son image, eh bien, celle d'une femme assise, regardant vers le bas et plus ou moins dépoitraillée, habillée très légèrement et entourée de nombreux enfants. Avec un collier qui la part, voilà. Donc c'est un peu le poncif de la famille, victorienne en quelque sorte, qui est ici projeté sur cette préhistoire. Et de l'autre côté, vous avez une image d'une grande violence et vous avez une femme tordue de douleur et tordue de révolte et emportée par deux hommes musclés qui l'emmènent. Et cette image a une charge à la fois de violence impressionnante et elle a aussi une charge érotique
Il faut bien dire que au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, la préhistoire était aussi une sorte d'exutoire à toute cette société corsetée dans laquelle la sexualité ne se disait pas. Et c'est bien le moment aussi où naît la psychanalyse, hein, qui fait ressurgir tous ces fantasmes engloutis de l'inconscient de ses contemporains. Et donc, voilà une image où l'érotisme transparaît en même temps que ça veut être une image ethnographique, puisque ça représente le rapt, hein, le rapt, l'enlèvement des femmes, qui était une des théories ethnographiques de l'époque, l'exogamie, le fait que les hommes allaient enlever dans un village voisin des femmes pour les épouser. Et donc, vous voyez cette double image, à la fois d'une femme vouée à la famille et aux enfants, sédentaire, assise, et d'un autre côté, une image objet de viol, de violence et objet érotique. Et donc, c'est une iconographie qui a perduré, en particulier pour les représentations du paléolithique, pendant assez longtemps, et qui continue, encore une fois, à habiter un petit peu notre imaginaire. Alors, est-ce que nous devons en rester là? Est-ce que nous devons rester voués aux poncifs, aux idées machistes? Aujourd'hui, toute une approche des femmes et de la question du genre, de la question sociale, de la place des femmes, est en train d'émerger, et même de façon assez ferme. Alors, nous savons aujourd'hui que pour parler des rôles sociaux, y compris dans nos sociétés, mais aussi dans celles de la préhistoire, eh bien, on ne peut pas parler de rôle naturel. Ça n'est pas la nature qui inscrit les comportements des hommes et des femmes, mais c'est, pour une très grande part, la société. C'est la société qui règle, y compris la reproduction, qui règle les rapports entre les individus, les rapports de parenté, qui règle les rôles sociaux, qui règle ce qu'on peut faire et ne pas faire, qui règle l'éducation, etc. Et donc, cette vision contemporaine de la différence des sexes et du genre doit nous conduire à interroger ces poncifs et à reconsidérer certains des rôles qui sont assignés aux femmes dans les sociétés de la préhistoire. Alors, bien sûr, le premier rôle, c'est celui de la maternité. Ce sont les femmes, ce ne sont pas les seules qui font les enfants, mais en tout cas, c'est elles qui les portent, c'est elles qui leur donnent le jour, et c'est elles qui, jusqu'à un certain point, assurent en partie leur subsistance. Alors, comment penser ce rôle des femmes mères au paléolithique, et notamment au paléolithique supérieur, dont nous avons beaucoup plus de traces, comme nous l'a montré Boris tout à l'heure, et dont nous avons aussi des vestiges, des représentations que nous nommons artistiques. Alors, quel est le sens de ces représentations? Comment imaginer à partir d'elles ces rôles féminins, et en particulier ce rôle de la mère? Alors, pendant longtemps, l'abbé Breuil en particulier était un grand préhistorien qui a imposé sa vision à toute la préhistoire de la première moitié du XXe siècle, a pensé que ce qui préoccupait surtout les préhistoriques et les paléolithiques au paléolithique supérieur, c'était l'importance de se reproduire, l'importance de la fécondité. Et donc, de là vient l'idée que les femmes avaient beaucoup d'enfants et devaient se reproduire beaucoup pour reproduire le groupe et pour le faire vivre. Aujourd'hui, ces idées ont été critiquées, et d'ailleurs depuis même à l'époque de Breuil, il y a eu des voix pour critiquer ce genre de position. Nous savons que pour ce qui est des chasseurs-cueilleurs, eh bien, la préoccupation première n'est peut-être pas de produire une abondante progéniture rapprochée dans le temps. On sait, grâce à ce qu'on appelle l'ethno-archéologie, c'est-à-dire le fait d'aller voir dans les sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs la manière dont elles vivent, et en particulier dont elles vivent cette différence des sexes, eh bien, nous savons que dans un groupe de chasseurs-cueilleurs, on essaye d'espacer au contraire les naissances plutôt que de les rapprocher. Lorsqu'on se déplace, lorsqu'on est nomade, lorsqu'on porte des fardeaux, et c'était souvent la tâche des femmes, c'est la tâche des femmes que de porter les fardeaux, la maison, les enfants dans ces sociétés nomades, eh bien, la fécondité n'est peut-être pas quelque chose de désirable, en tout cas dans la multiplication des enfants. Et donc, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, c'est une image qui est à revoir. Alors, il n'empêche que l'art paléolithique a montré des personnages de femmes enceintes,
Hein, vous voyez ici cette très belle Vénus de Locel, qui est un bas-relief qui représente cette femme avec la main dans une position tout à fait typique d'une femme enceinte, la main sur le ventre, et qui porte une corne, d'ailleurs un des rares objets de l'art paléolithique. Et cette corne a été diversement interprétée. Une des interprétations intéressantes est celle d'une lune qui porte d'ailleurs 13 incisions et qui seraient des incisions représentant un calendrier, et notamment un calendrier obstétrical, un calendrier de grossesse, à travers le comptage donc, des lunes. Ce serait en même temps penser que les femmes sont peut-être les premières à avoir pensé non seulement le temps, la durée, mais même le calendrier et les cycles du temps. Et donc, voilà une image qui nous fait penser que la grossesse était certes importante. Ici encore, vous avez d'autres statuettes qui représentent des femmes avec des gros ventres. Et une interprétation qui me semble intéressante et qui a été émise par des préhistoriens, Randall White en particulier, et que ce serait plutôt que des objets ayant pour vocation la magie d'invoquer la fécondité, de multiplier les naissances, peut-être celle plutôt de protéger la grossesse et de protéger ce moment délicat pour une femme qu'est l'accouchement. Ces petites statuettes ont d'ailleurs des trous qui permettaient de les porter en pendentif et qui étaient peut-être donc la preuve, qui sont peut-être la preuve qu'il s'agit d'amulettes qu'on pouvait porter sur soi. Alors, un deuxième ensemble de rôles qui sont propres aux femmes, eh bien, il a été l'objet de grandes polémiques dans les années, à partir des années 1970. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces courants féministes en anthropologie qui ont vraiment ouvert cette question de la place des femmes. Et dans ces années-là, et déjà depuis le début des années 60, il y avait un modèle, on aimait bien faire des modèles d'hominisation, c'est-à-dire comment l'humanité est devenue ce qu'elle est. Et ce modèle qui était privilégié par les préhistoriens, en particulier américains de cette époque, il était repris à Darwin. C'est l'idée que la chasse a façonné toutes les caractéristiques supérieures de l'humanité. Pour chasser, il faut fabriquer des outils, pour chasser, il faut traquer le gibier, donc il faut développer l'intelligence, il faut aussi développer la force pour le frapper, il faut développer le partage des tâches entre les chasseurs et puis le partage du gibier. Et donc, voilà que ces préhistoriens américains avaient forgé ce modèle, man the hunter, l'homme, au sens de l'homme masculin, hein, l'homme chasseur. Et donc, c'est un modèle qui était censé expliquer toutes les avancées de l'humanité. Les femmes, les pauvres, n'étaient pas tellement incluses dans ce modèle, sauf à être celles à qui on rapportait la viande, dit-on, en échange de leur faveur sexuelle. Donc, voilà un modèle qui était bien façonné, mais qui en même temps était assez révoltant du point de vue des féministes américaines qui, elles, étaient arrivées en force dans ce domaine. Il y avait beaucoup de jeunes femmes étudiantes ou déjà jeunes professionnelles qui se sont érigées en faux contre cette idée que seuls les hommes avaient façonné tous les acquis de l'humanité et en particulier, donc, se sont proposé de revoir ce modèle sous la forme de woman the gatherer, la femme alors rassembleuse, gather ça veut dire rassembler en anglais, mais ça veut dire aussi cueillir. Et donc ce modèle de la femme cueilleuse qui a été mis en avant. Et il est vrai que d'après ce que nous savons, et ce qu'on savait déjà dans les années 70, parce qu'on avait fait des études ethnologiques poussées en particulier chez les Bushmen d'Afrique du Sud, c'est que les femmes rapportent énormément de nourriture, d'éléments pour la subsistance des groupes à travers la cueillette des fruits, des racines, des graines, le ramassage des œufs, des coquillages, quand c'est des sociétés qui vivent au bord de la mer, et aussi la chasse au petit gibier, des pièges qu'elles posent, mais même participent à la chasse comme rabatteuses, comme celles qui découpent le gibier, etc. Et donc, il y a tout un ensemble de pratiques féminines qui sont présentes dans ces sociétés et qui pourvoient pour près de 70% à la subsistance de ces groupes, comme on le sait, d'après, encore une fois, les sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Alors, ce rôle des femmes
en rapport avec les végétaux, avec les graines, avec les racines. Il les conduit aussi à connaître les herbes, à connaître les simples, pour les soins, pour la pharmacopée, peut-être même à devenir des soigneuses, même des chamanes. Et puis, il a aussi toute cette implication dans le travail des fibres, comme nous le verrons tout à l'heure, travail des fibres pour la fabrication de toutes sortes d'objets. Donc, cette nouvelle donne... Oui, j'ai presque... Très bien. Cette nouvelle donne en préhistoire a conduit à un réexamen des vestiges. Elle a obligé à repenser les rôles des femmes dans les activités de subsistance, la chasse, la cueillette, les activités techniques, technologie lithique, travail des fibres et même l'art. Alors, elle était peut-être un peu outrée dans la mesure où elle donnait aux femmes vraiment un rôle très central, mais elle a pu ensuite donner lieu à des élaborations, disons, plus fines, qui s'attachaient justement à trouver les femmes, sans forcément en faire le centre de ces sociétés, mais à leur donner un rôle à travers l'étude très fine des vestiges. Voici quelques exemples liés au travail des fibres, des tissages, des cordes, des paniers, et même l'inscription vieille de 29 000 ans avant le présent d'un tissage sur une plaquette d'argile qui a durci. Voici les paniers, la sparterie, qui est une activité certainement très ancienne, hein, parce que pour porter, pour cueillir, pour porter les enfants, il faut aussi le travail des fibres et en particulier fabriquer des paniers et des cordes. Voici quelques images où on voit la présence de ces textiles, de ces cordes, qui sont attachées à ces personnages de femmes et qui sont d'ailleurs extrêmement soignées dans la représentation qui en est donnée. Hein, on voit tous les torrons de la corde, ce qui permet de penser qu'il y avait une certaine valeur accordée à ce travail, à ces objets. Et ici, peut-être, sur ce ventre de femme enceinte, la représentation d'une corde et d'une corde passée au poignet et passée autour de la taille, qui était peut-être un instrument destiné à pousser lors de l'accouchement. Il y a aussi le fameux filet de la dame à la capuche ou encore le pagne de la Vénus de l'Espugue. Femmes et outils, alors bien sûr, Boris a présenté ces outils dont on sait maintenant comment ils sont fabriqués grâce à l'expérimentation, mais on sait aussi, grâce aussi à ces pratiques expérimentales des archéologues aujourd'hui, que les femmes sont tout aussi capables de fabriquer ces magnifiques outils par leur adresse, par la finesse, et que cette fabrication exige plus de doigté, d'intelligence que de force. Et donc, pourquoi les femmes n'auraient-elles pas elles-mêmes fabriqué les outils dont elles se servaient, par exemple, pour racler les pots ou pour d'autres activités. Enfin, dernière question qui a agité le milieu des préhistoriens dans les 10 dernières années surtout, c'est la question de l'art. Il a longtemps semblé évident que les artistes paléolithiques étaient des hommes, et cette évidence était confortée par des préjugés sexistes, mais aussi par des raisons données pour scientifiques. Alors, voici une image du 19e siècle. Vous voyez un homme debout, en train de peindre la caverne de Fondegaume, et puis des femmes à demi-nues qui l'applaudissent. Bon, les choses aujourd'hui ont un peu changé, et on s'est rendu compte à travers en particulier l'examen des mains, non tant la taille des mains, mais que leurs proportions. Et on a établi qu'il y avait des proportions des doigts qui étaient plus spécifiques aux femmes. Et on a pu reconnaître à certains, dans des lieux où on trouvait des mains, et on en trouve partout dans l'art paléolithique, du paléolithique supérieur, sur les parois des grottes ornées, eh bien on a pu montrer que beaucoup d'entre elles sont des mains de femmes, qui signifient à la fois que des femmes étaient là, il y a aussi des empreintes de pieds qui sont aussi interprétées comme des pieds de femmes, et pourquoi pas, sur ce magnifique panneau de Pechmerle, pourquoi pas une signature, pourquoi pas le fait que non seulement j'étais là, mais j'ai moi-même peint ce panneau. Alors, c'est bien sûr une hypothèse, mais elle mérite d'être examinée. Alors, bien sûr, penser la place des femmes, ça n'est pas forcément leur donner un rôle dominant. Hein. Il y a toute une mythologie du matriarcat originel qui est aujourd'hui, qui a été parfois invoquée par des féministes, mais qui est aujourd'hui plutôt récusée et plutôt invoquée comme un mythe que comme une réalité. Si vous voulez, on pourra en parler dans la discussion. Il convient cependant d'insister
sur la diversité des conditions féminines dans la préhistoire. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure, la préhistoire n'est pas un bloc monolithique, hein, ce sont des sociétés, et on sait qu'à certaines périodes de ces histoires, il y avait une certaine égalité entre les sexes, plus grande qu'à d'autres, et même une condition particulièrement favorable. Par exemple, le début du Paléolithique supérieur, ce qu'on appelle l'Aurignacien, le Gravettien, a donné lieu à toutes ces découvertes de statuettes et aussi de sépultures féminines très ornées, très valorisées, qui peuvent faire penser que c'était des sociétés où les femmes avaient un rôle important, sans toutefois récuser l'idée d'une domination masculine qui est probablement présente depuis les origines des sociétés humaines. Voilà, je termine. Je voulais donc surtout mettre l'accent sur la nécessité de repenser, de penser la question de la différence des sexes et les rôles sexués dans la préhistoire, de ne plus réduire cette différence des sexes au biologique en définissant une nature féminine et masculine pour en compte des rôles sociaux. Les sociétés préhistoriques ne constituent pas une origine naturelle, ni les racines naturelles des comportements actuels. Elles possédaient leur forme sociale à part entière, au sein desquelles les règles de parenté, la division sexuelle des rôles étaient certainement des paramètres essentiels. Les structures sociales liées au genre ne sont pas immuables à travers les temps préhistoriques, et c'est même là leur caractéristique, chaque société les construit, mais elles sont dépendantes des contextes sociaux, culturels, environnementaux. Et grâce à l'accumulation des recherches depuis plusieurs décennies et grâce aux mutations des questionnements qui ont pu surgir, eh bien, les femmes préhistoriques aujourd'hui ont cessé d'être invisibles. Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup dans le temps. Effectivement, c'est encore une communication passionnante et qui est bonne à penser, comme dirait l'autre. Hein? Alors, c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que les femmes en préhistoire sont un creuset du fantasme pour nos contemporains, alors que dans l'art paléolithique, finalement, l'érotisme est totalement inexistant, pratiquement inexistant. Oui. Une femme nue n'est pas forcément érotique. Et c'est vrai que là, on pourra en discuter après dans le débat. Pour paraphraser Alain Testard, y a-t-il un autre rôle à attribuer à la femme que l'amazone ou la cuisinière? Est-ce qu'il y a-t-il un troisième rôle, effectivement? Ce sera à discuter. Je laisse la parole à Jean-Paul Dumoule pour une communication qui va nous entraîner beaucoup plus loin dans le temps, mais plus proche de nous, paradoxalement. Vous avez la parole, Jean-Paul. Merci. Donc, je vais parler du néolithique, c'est-à-dire sans doute de la révolution qui a tout changé dans la trajectoire humaine, puisqu'il y a 1 ou 2 millions d'années... je veux dire 10 à 12 000 ans à peu près, la période dont parlait Boris tout à l'heure, il y avait 1 ou 2 millions d'humains sur Terre, et il y en a 7 milliards maintenant. C'était des petits groupes de quelques dizaines de personnes, maintenant c'est des métropoles. L'égalité ou l'inégalité était relativement faible, alors que, comme on sait maintenant, 1% des habitants de la planète possèdent entre 50 et 80% des richesses. Alors là, la suivante. Donc, pour rappel, voilà comment vivaient les humains dont nous parlait Boris tout à l'heure. La suivante, ils peignaient donc les animaux, comme on l'a vu. Et la suivante. Et comme on vient de le voir aussi, quand il représentait des humains, c'était surtout des humaines. La suivante. Et donc, il y a 12 000 ans à peu près, dans un certain nombre de points de la planète, les taches grises, des petits groupes de chasseurs-cueilleurs commencent à domestiquer certains animaux et certaines plantes, comme vous le voyez ici. La suivante. Alors pourquoi à ce moment-là? Parce que on est de nouveau dans l'actuelle période interglaciaire. Entre moins 115 000 ans et moins 10 000 ans, on était dans une période glaciaire, donc un climat pas très favorable, même si dans certains points, des groupes avaient domestiqué, semble-t-il, des loups et les avaient transformés en chiens, mais ça n'allait pas plus loin.
Certes, il y a eu d'autres périodes interglaciaires, mais Homo sapiens, qui apparaît il y a à peu près 300 000 ans, continue à évoluer. Nous continuons aussi à évoluer, notamment en fonction de la sélection naturelle. Et on voit que c'est seulement à partir de 40 000 ans qu'il fait des représentations. Donc, on peut penser que c'est cette complexité cérébrale plus grande, elle, coïncide pour la première fois à des conditions climatiques différentes. Et puis, par ailleurs, il est quand même en général plus confortable d'être sédentaire que nomade. La suivante. Alors, il faut distinguer aussi les endroits où l'agriculture est inventée, donc les taches grises qu'on vient de voir. Et puis, l'un des premiers effets du néolithique, de l'agriculture sédentaire, c'est de faire exploser la natalité. Comme le disait à l'instant Claudine, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en général, les chasseuses-cueilleuses ont un enfant tous les 3-4 ans. Les agricultrices des sociétés traditionnelles, jusque dans l'Europe du début du XXe siècle, vont avoir pratiquement un enfant tous les ans, même si beaucoup vont mourir en bas âge. Et puis enfin, cette explosion démographique va faire qu'à partir des foyers originels, les nouveaux agriculteurs vont essaimer et assimiler ou repousser ceux qui restent chasseurs-cueilleurs. Mais néanmoins, troisième possibilité, dans un certain nombre de régions, des chasseurs-cueilleurs vont adopter spontanément l'agriculture. La suivante. Alors, à quel endroit? Bien sûr, ça va de soi là où il y avait des espèces domesticables, mais pas forcément là où l'environnement était trop abondant, parce que ça ne pousse pas dans ce cas-là. L'agriculture, qui est quand même beaucoup plus pénible, ne représente aucun avantage. Mais en plus, il y a eu des conditions culturelles qu'évidemment, on ne maîtrise pas toujours. Cette idée de domestiquer, non plus d'être immergé dans la nature et de se penser à travers les animaux quand on le voit, comme on le voit dans les grottes, mais de dominer la nature elle-même, ce qui est notre vision jusqu'à maintenant, depuis cette époque. La suivante. Et il faut enfin comment être capable d'avoir un certain nombre de techniques. Il faut stocker les céréales sans qu'elles pourrissent, ou être capable de soigner les animaux et de les nourrir quand ils sont maintenant qu'ils sont enfermés et arrachés à leur milieu. Et progressivement, donc, on va prendre le contrôle de certaines espèces et éliminer petit à petit les autres, qui est un processus dans lequel nous sommes toujours, puisqu'on parle d'une sixième extinction massive des espèces. Et donc, comme je disais à l'instant, ce nouveau rapport de domination à la nature. La suivante. Ça se passe en gros entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère, c'est pas partout avec le même rythme et pas partout les mêmes inventions en même temps. Par exemple, la poterie qui ne va apparaître que vers moins 7 000 à peu près au Proche-Orient, elle est connue vers moins 16 000 en Chine et à peine plus tard au Japon. Donc, tout ne se passe pas au même rythme dans les régions du monde, mais c'est quand même l'idée d'une agriculture sédentaire qui va peu à peu l'emporter. La suivante. Là, je ne commenterai pas plus, c'est pour vous montrer que la carte tout à l'heure avec les patates grises, c'était une simplification, mais si on module par rapport au climat et par rapport aux différentes espèces et à la chronologie en bas que vous avez en tout petit de domestication des animaux et des plantes, c'est un processus évidemment beaucoup plus fin. La suivante. Donc là, je me concentrerai uniquement sur le Proche-Orient et l'Europe. L'Europe n'invente pas l'agriculture et l'élevage. Les chasseurs-cueilleurs descendants de ceux que Boris nous a montrés tout à l'heure avaient l'air très heureux dans leur forêt. Mais la chose va se passer au Proche-Orient, justement, à un de ces milieux relativement favorables, mais où, comme c'est dans un milieu savane, l'agriculture et l'élevage apportent
un plus et permet de stabiliser justement la nourriture et va, dans ce point-là, comme dans d'autres, provoquer un boom démographique et le mouvement va s'étendre en particulier vers l'Europe. Là, on a représenté que l'Europe et pas les autres directions, mais c'est parti dans les différentes directions. La suivante. Donc, ces sociétés, au départ, qu'on a au Proche-Orient, est tout à fait simple. C'est la continuation de ce qu'on a vu tout à l'heure, des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des sortes de tipis avec des outils en os et en pierre et qui vont commencer à ramasser les céréales et à commencer à domestiquer notamment les moutons et les chèvres et avec aussi des représentations exprime comme une partie des expressions du paléolithique des préoccupations autour de la reproduction, comme on voit dans ce couple enlacé. La suivante. Et puis, au bout de 1000 ou 2000 ans, eh bien, on voit manifestement, là, en Syrie, une fouille franco-syrienne sur les bords de l'Euphrate, eh bien, la démographie commence à exploser. On a des maisons rectangulaires de plus en plus nombreuses, des villages permanents. La suivante. On voit aussi apparaître un nouveau rapport à l'art, non plus ces peintures d'animaux ou uniquement ces petites statuettes, mais là on a des statues qui font un mètre de hauteur. La suivante. Les morts se sédentarisent en même temps que les vivants, on voit les premiers cimetières apparaître et cette représentation des ancêtres à partir d'un véritable crâne sur lequel on modèle un visage, on reconstitue un visage, la suivante, très souvent un culte autour du taureau sauvage de l'Europe, qui est le plus gros animal vivant, qui était déjà représenté au Paléolithique, qui est le plus gros animal vivant dans ces régions, et qu'on va voir très régulièrement représenté au fil des millénaires. La suivante, et cette opposition entre la femme, ici peut-être en train d'accoucher, on en discute, qui est assise entre deux léopards, donc un rapport entre femme et sauvagerie, et par ailleurs à la représentation avec le taureau, le couple femme-taureau, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans les grandes religions historiques du Proche-Orient. La suivante. Donc à partir du Proche-Orient, on va partir vers l'Europe, d'abord l'Europe balkanique, à une époque où le niveau de la mer est encore relativement bas et le passé dans les Balkans ne pose aucun problème. La suivante, et je vais donner rapidement l'exemple d'un village, d'une fouille qui a été faite par l'Université de Paris 1 avec mon équipe de recherche et ma collègue Marion Lichardus à Kovatchevo pour vous montrer très concrètement ce que pouvait être un de ces villages. La suivante. Donc ici, sur toute cette zone plate sur le bord d'une rivière. La suivante. Avec le premier niveau, il y a à peu près 2-3 mètres de stratigraphie, où vous avez là tous ces petits trous sont les fondations des habitations rectangulaires en bois et en terre de cette époque. La suivante. On a des maquettes dans d'autres régions d'Europe qui nous donnent aussi l'allure générale de ces habitations. La suivante. Et même, on a eu la chance en Grèce cette fois, mais pas très loin de Kovatchevo, de trouver une petite maquette de maison. Vous avez le four, la porte, et puis 6 figurines. À chaque fois, une masculine, une féminine, de grande, de moyenne et de petite. Et ça, c'est un des très rares indices qui pourrait nous renseigner sur ce que pouvait être l'organisation de la famille nucléaire à cette époque, avec sans doute trois générations et plutôt des couples monogames dans ce cas-là, sachant que beaucoup de sociétés humaines étaient polygames. La suivante. Donc, c'est avec le néolithique que la poterie va se développer. Elle va offrir aussi un nouveau support à l'art. Et en général, c'est toujours géométrique et jamais figuratif. Ce n'est pas l'art grec bien plus tard. Et cette géométrisation de l'espace peut peut-être être mise en relation avec la prise de contrôle de la nature. La suivante. Voilà des exemples de cuillères en os, donc pour la consommation. La suivante.
les fameuses haches polies, qui jadis on appelait le néolithique âge de la pierre polie, dont la fonction est essentielle puisque ça sert à couper le bois et à battre donc cette forêt vierge dans laquelle il s'installe avec la fin de la dernière glaciation, à la fois pour déboiser, défricher et construire les maisons et ramasser le bois de chauffage. La suivante. Voilà donc comment étaient emmanchées ces haches polies. Et donc, c'est cette première atteinte massive à l'environnement et qui va ne faire que s'accentuer après, à partir de là. C'est pour ça que j'ai tendance, comme d'autres, à faire commencer ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, c'est-à-dire l'action massive de l'homme sur la nature à partir du début du néolithique, même si c'est très faible au début. La suivante. Donc voilà toutes sortes de petits éclats de silex qui vont servir de faucilles à couper les céréales. La suivante, en les emmanchant justement, comme vous voyez ici, dans des manches soit en bois de serre. La suivante, les meules à broyer le blé, donc à fabriquer la farine et à introduire avec les céréales une nourriture beaucoup plus molle et sucrée que ce qu'on avait jusque-là dans la consommation paléolithique. Et c'est là en particulier que les caries dentaires ont commencé à exploser. La suivante, des parures en marbre, mais on en a en différentes matières. La suivante. Et des figurines féminines, toujours dans la continuité, d'une certaine manière, du paléolithique et des représentations majoritaires de femmes. Notez que là, par exemple, la figurine de droite, elles sont construites pour être brisées et on les retrouve toutes brisées, ce qui est évidemment certainement une signification. La suivante. Toujours sur le même site, des dépôts de bœufs, de taureaux sauvages, qui prouvent que cette idéologie-là, quelle qu'en soit l'interprétation fine, se perpétue au fur et à mesure de cette extension des néolithiques. La suivante. Dans notre laboratoire des archéologues, en étudiant les formes et les décors, on peut faire une chronologie de haut en bas du développement sur plusieurs siècles de ce néolithique à travers l'Europe. Suivante. En avançant, il rencontre évidemment les chasseurs-cueilleurs descendants du paléolithique qui vont être absorbés, ce que montre aussi la génétique. Nous, tous Européens, on a une grande partie de gènes venus de ces agriculteurs du Proche-Orient, mais aussi une partie de ces chasseurs-cueilleurs indigènes qui vont être absorbés sans qu'on ait des preuves manifestes de massacre. La suivante. Deux ruptures successives dans l'environnement européen, le réchauffement, donc les mammouths, les rennes disparaissent au profit des aurochs, des cerfs et des sangliers qui eux-mêmes vont être marginalisés parce que les espèces domestiquées au Proche-Orient vont arriver. La suivante. Dans les Balkans, on a toute une florescence d'art plastique extrêmement élaboré, avec toujours ces statuettes de femmes érotisées. Ça va peu à peu, plus on va aller vers l'ouest, s'appauvrir, si j'ose ainsi utiliser ces termes d'histoire de l'art. La suivante. Cette abondance de femmes a fait, comme l'a dit à l'instant Claudine, parler du matriarcat. C'était beaucoup développé par une archéologue lituanienne-américaine, Maria Gimbutas. On fêtait le centenaire de sa naissance là, à Vilnius, dans un télécolloque auquel j'ai participé la semaine dernière. On n'a pas le temps de détailler, mais on pourra revenir dans la discussion. Mais je rejoins évidemment Claudine sur son approche critique. La suivante, parce que dans beaucoup de mythologies, il est dit que les femmes avaient le pouvoir, mais que malheureusement, elles se sont tellement mal servies que les hommes ont été obligés de leur reprendre. Et dans des mythologies plus rapprochées, si on n'est plus au paradis terrestre, c'est la faute de Ève, même chose à cause de Pandore. La suivante.
Et Alain Testard s'est attaqué notamment à ce mythe du matriarcat dans ce livre. La suivante. Et donc, dans le cheminement du néolithique sur toute l'Europe, vous avez un courant qui va longer les rives de la Méditerranée suivante, caractérisé par ce type de poterie suivante, et maîtrisant la navigation suivante. Et puis, vous avez l'autre, là, en marron, par l'Europe interne suivante. Qui fabrique ce type de poterie qu'on appelle rubanée en français, suivante, et qui vit dans des grandes maisons. Là, on voit bien des femmes, effectivement, sur l'image. Et c'est ceux-là qui vont arriver dans la moitié nord de la France, les autres arrivant dans la moitié sud. La suivante. Donc voilà ce type de maison, et il faut rappeler que le néolithique, c'est aussi le début du confinement. On est confiné dans des maisons à l'intérieur de villages, la nourriture est autour, et après vont arriver les villes où on n'a même plus besoin de sortir parce qu'on est ravitaillé de l'extérieur, et on va inventer l'écriture qui permet de correspondre à distance. Donc ce que nous vivons actuellement, c'est le début, de même que c'est la généralisation des épidémies avec la proximité des animaux. La suivante, et voilà une idée des rites funéraires au néolithique. La suivante, tout au bout, en Normandie, toujours le taureau qui est là, présent, un objet qui fait à peu près 30 cm de hauteur. Suivante. Quand on arrive à l'Atlantique, eh bien, on ne peut pas aller plus loin, et c'est là que les ennuis vont commencer. Suivante. Puisque, effectivement, on ne peut pas aller plus loin, et la démographie humaine continue à augmenter. Donc, trois conséquences. Les sociétés vont être de plus en plus inégalitaires, la violence va se généraliser, et il va falloir faire une course au progrès technique, de la charrue jusqu'aux pesticides, pour nourrir de plus en plus d'humains. Suivante. À propos de course, il te reste 3 minutes. D'accord. Bon, alors, les chefs, d'abord, l'apparition des chefs. Suivante. Donc, les voilà à quoi ça ressemble. Suivante. Et là, en vrai, suivante. Dans le domaine funéraire, ce qui n'existait pas auparavant, suivante, voilà encore, suivante. Et c'est là qu'on voit le thème majoritaire des représentations féminines va s'effacer au profit de représentations d'objets de pouvoir et de représentations d'hommes en armes, ce qui était inexistant jusque-là. Suivante. Voilà cet objet en forme de crosse, suivante. C'est ce culte autour du soleil, un panthéon hiérarchisé face à qui n'était pas présent jusque-là, suivant, et qu'on va retrouver à l'âge du bronze, suivant, et jusqu'à Stonehenge, suivant. Et néanmoins, des moments de montée et de descente qu'on constate archéologiquement, donc régulièrement des moments de résistance des pouvoirs trop forts. Suivant. Donc deuxièmement, le développement de la violence. Suivant. L'apparition de villages fortifiés, ce qui n'était pas le cas au début. Suivant. Cette représentation des hommes armés, suivant, et également sur les gravures rupestres, comme dans la vallée des merveilles, suivant, et le célèbre Ötzi, suivant, l'homme des glaces, qui est mort d'une flèche dans le dos et dont le poignard en silex portait l'ADN de plusieurs personnes, suivante. Et la représentation typique du néolithique, comme les cités lacustres, comme des sortes de marinas, en fait, c'est des lieux de défense, et au contraire, et pas du tout, c'est des replis dans des zones marginales. Suivante. Avec la fin du néolithique et l'âge du bronze, on invente des objets, véritablement des armes. Suivante. Et des traces de guerre, de batailles évidentes. Suivante. Cette course au progrès technique, suivante.
l'invention de la roue, de la traction animale, suivante, comme ici, suivante, de la charrue, suivante, le commerce généralisé d'objets de prestige, suivante, qui, par exemple ici, à partir des Alpes, suivante, qui va se échanger, qu'on trouve surtout les ronds verts dans les zones où on peut produire du sel, suivante. Et donc, en conclusion, est-ce que c'était une bonne idée d'inventer l'agriculture, en fin de compte, suivant, c'est ce boom démographique que vous avez ici, entre 65 000 et 0, et en violet, vous avez la courbe et qui va exploser avec, à partir du moment où le néolithique apparaît, suivante. L'alimentation qui se dégrade, là, en jaune, vous avez ce qu'on mange, en marron, ce qu'on mangeait au paléolithique, et en bleu, ce qu'on devrait manger. Et vous voyez qu'il ne faut pas retourner à la préhistoire, mais effectivement, on mange beaucoup plus mal. Hein. Suivant, donc quelques images de commentaires terminales sur la nourriture. La suivante. Le destin de l'humanité tel qu'on peut l'imaginer, suivant, et puisqu'on parlait des femmes, l'autre forme de représentation, suivant. Et voilà, juste pour réviser, notamment le livre en bas à droite, où on a essayé de couvrir toute l'histoire de l'humanité. Voilà, je m'excuse d'avoir été trop long et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette... communication également passionnante. On a beaucoup de chance ce soir. Effectivement, les paléolithiciens se posent toujours la même question au niveau du néolithique, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Pourquoi passer au néolithique finalement? On était si heureux. Mais effectivement, bon, c'est fait, c'est fait. Alors, il y a la question effectivement qu'on pourrait aborder peut-être pour la discussion avant de passer aux questions du public. C'est cette trame en fait, entre les trois communications qui est finalement la non-immuabilité des phénomènes humains, si on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir la préhistoire comme de loin, les gens la voient comme un bloc un peu fermé, un peu scindé en deux parties principales, et finalement, il y a des interpénétrations, des évolutions en avant, puis des régressions, entre guillemets, qui se passent tout autour des millénaires. Notamment pour les mésolithiques, entre les mésolithiques, les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agropasteurs. Il me semble que maintenant, l'archéologie a démontré qu'il y avait des liens. Il y a des mésolithiques qui ont commencé à faire de la poterie, je crois, la céramique de la Hoguette, c'est ça. On dit que c'est une poterie mésolithique. Et les néolithiques ont aussi commencé à tailler des pointes d'inspiration mésolithique. Donc, il me semble qu'il y a effectivement maintenant, les limites sont beaucoup moins tranchées. Même si Jean Guilaine maintenant propose aussi de séparer le néolithique de la préhistoire et de dire que finalement on serait toujours un néolithique et finalement ce serait depuis 8000 ans, depuis 1000 ans avant notre ère, ce serait finalement la même histoire d'un point de vue économique qui perdurerait. Alors je ne sais pas qui veut réagir, peut-être Jean-Paul voulait peut-être réagir. C'est sûr que le néolithique, comme je dis en traduction, c'est la rupture la plus fondamentale. Sinon, effectivement, on serait toujours chasseur-cueilleur. Lévi-Strauss disait il y a eu deux révolutions, le néolithique et la révolution industrielle. La révolution industrielle puis numérique n'est que la conséquence du premier. Mais effectivement, ça apparaît comme une révolution entre guillemets si on regarde de très loin. Mais il y a eu toutes sortes de formes de transition, probablement on a quelques exemples de retour en arrière, entre guillemets, de chasseurs-cueilleurs qui pratiquent une petite horticulture ou des formes de sylviculture. Donc, c'est des choses beaucoup plus nuancées et pas une séparation aussi radicale. Et Claudine, peut-être que tu peux intervenir aussi sur l'ancrage dans le monde animal, puisque je crois que des primatologues comme Franz De Waal démontrent qu'il y a une politique du chimpanzé, finalement les relations de pouvoir, les relations de domination et même les violences, parce qu'on a démontré qu'il y avait des guerres entre chimpanzés sur des territoires, des chimpanzés se faisaient vraiment la guerre. Donc oui, il y a peut-être un ancrage dans le monde animal aussi mm-hmm.
on n'a pas bien encore bien mis en valeur, peut-être. Moi, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui la nécessité de repenser tout ce qu'on nous a présenté comme des révolutions, que ce soit la révolution humaine, voilà, présenter l'hominisation, l'émergence, l'avènement de l'homme comme quelque chose de complètement neuf. On sait aujourd'hui que cette différence humaine, elle est relative. On sait que les chimpanzés, non seulement se font la guerre, mais aussi ont des pratiques techniques, ont des formes d'échange, ont des relations entre eux qui, à beaucoup d'égards, s'apparentent aux nôtres. Peut-être c'est la quantité et non la qualité qui fait la différence, la permanence de certains comportements. Et nous avons appris à penser que, au fond, l'homme n'était pas intervenu comme ça, tout armé, avec son âme et son intelligence, dans un monde animal inerte et sans relief. Et d'ailleurs, Darwin l'avait dit déjà, il a écrit sur les émotions, il a écrit sur, dans son grand livre sur la descendance de l'homme. C'est vraiment, il tire tous ces fils entre l'animal et l'humain. Mais je pense qu'il y a d'autres ruptures, révolutions à repenser. Je pense que la révolution du paléolithique supérieur, je ne sais pas ce qu'en pense Boris Valentin, mais aujourd'hui, elle a aussi pas mal de plomb dans l'aile. Quand on sait tout ce qui se passe au niveau de ce que nous avons aujourd'hui des Néandertaliens, des échanges entre Néandertal et Sapiens, et même pour cette question de l'art, de tout ce qui précède ces 40 000 ou 50 000 ans, où on voit émerger des formes d'art, que ce soit d'ailleurs en Europe ou en Indonésie ou ailleurs, mais on sait aussi qu'il y a en Afrique des formes artistiques qui sont reconnues et que peut-être, puisque l'homme Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, on en trouvera d'autres bien plus tôt. Et donc, je pense qu'au niveau de l'art, au niveau des techniques, au niveau même anthropique, cette notion de paléolithique supérieur, à mon avis, qui est donnée comme une révolution absolue, il faudrait peut-être essayer de la repenser et de montrer aussi des continuités. De même, la révolution néolithique, alors Jean-Paul nous explique que c'est là le début, le commencement de tous nos maux, et je veux bien le croire, mais il y a aussi dans l'histoire des sociétés paléolithiques des moments où on a trouvé en Israël, au bord du lac de Tibériade, le site d'Oalo, où on voit il y a une agriculture qui avait commencé, en tout cas le recueil de graines sauvages. Il y avait une sédentarité, on le sait aussi en Russie, sur les sites de Kastionki, etc. Au Gravettien, il y a des peuples sédentaires, ou en tout cas une grande partie de l'année. Et donc, bon, tous ces critères qui font le néolithique, je crois que plutôt que de parler d'une révolution néolithique, on parle d'une néolithisation. Je crois que c'est un thème assez ancien déjà. Donc, je pense que toutes ces révolutions de l'humanité qui, au fond, cherchent à montrer qu'il y a une unicité qui intervient. Il y a un saut ontologique, comme dirait le pape. L'idée que l'homme arrive tout armé avec son âme et que ça fait une rupture absolue. Et je crois que ça, c'est une vieille idée qui vient peut-être de l'abbé Breuil ou même avant, dont il faudrait peut-être se débarrasser. Et alors Boris, justement, lui, il propose une révolution conceptuelle, puisqu'il propose d'abandonner le terme de préhistoire pour le remplacer par paléohistoire. Tu peux nous expliquer un petit peu, ou peut-être que j'ai mal compris? Moi, c'est une ambition, simplement. C'est parce que je me considère comme historien, au sens où tout ça, c'est de l'histoire, depuis que les humains existent. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette ambition, elle s'accompagne aussi de... Elle accompagne plutôt une mondialisation des recherches qui montre que les trajectoires sont très différentes selon les endroits du monde où on travaille. Qu'il y a des rythmes différents, qu'il y a des accélérations à certains moments donnés qui donnent l'impression à nos échelles de révolution, comme on l'a dit, mais qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore, la préhistoire est très européo-centrée encore, et quand Claudine, on parle du paléolithique supérieur, que je préfère dire récent d'ailleurs, parce que je suis historien, et puis pour enlever toute connotation de supériorité quelconque, enfin pour qu'on soit clair sur ce qu'on désigne, c'est à l'époque. Eh bien, trop souvent encore, on retient le paléolithique récent européen, qui n'a rien à voir avec le paléolithique récent du sud-est asiatique, par exemple. Et donc, on compare des choses qui ne sont pas comparables. On compare des contingences historiques
ce qui s'est passé en Europe. Il y a un précipité d'innovation vers moins 40 000 avec l'explosion de l'explosion artistique que l'on connaît. On n'en connaît qu'une seule autre explosion à la même époque, c'est en Indonésie et pas ailleurs. Jean-Paul, toi, tu as aussi évoqué ce phénomène proche-oriental qui est particulier. Il y en a d'autres ailleurs, plus ou moins analogues, mais plus ou moins analogues. Et c'est pour ça aussi que là, je pense, moi, je suis peut-être un peu moins pessimiste que toi, Jean-Paul. Je pense que cette histoire mondialisée, cette palette mondialisée, elle nous montre une quantité de rapports différents qui se sont instaurés avec le monde environnant. Dès le paléolithique, hein, puisque tu disais, Claudine, il y a des sociétés sédentaires, il y en a qui ne le sont pas, il y a des sociétés où il y a un amorçage d'inégalités sociales, hein, dans le paléolithique récent, tu parlais de Soumir, par exemple, et puis d'autres qui sont probablement très égalitaires. Et dans le néolithique, les néolithiques aussi, moi, le peu que j'en connaisse, me laisse croire qu'il y a des formes assez différentes quand même de rapports au vivant qui se sont instaurés et des rapports sans doute plus respectueux que celles qui se sont instaurées très récemment en Europe occidentale. Hein. Voilà. Et donc, c'est vrai que la préhistoire fait peur aussi. La préhistoire fait peur. Certains de nos contemporains adoptent un régime paléolithique, mais d'autres ont peur d'y revenir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, de toute façon, il n'est pas du tout question de revenir à la préhistoire, mais il est peut-être une question aussi de se débarrasser un tout petit peu d'une angoisse contemporaine, une espèce de fatalisme de l'inéluctable, disais-je tout à l'heure, hein, de catastrophisme apocalyptique. Et si la faute est au néolithique, bah, du coup, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Hein, même chose pour la domination masculine, etc. Je pense qu'il y a eu des alternatives. Il n'est pas question de renouer avec ces alternatives, il est question de se rassurer sur le fait qu'il y a des bifurcations possibles et concernant la domination masculine et concernant les rapports aux vivants. Pour les rapports aux vivants, je suis d'accord avec toi, Jean-Paul, que c'est extrêmement urgent et qu'il y a des raisons d'être inquiet quand on voit, par exemple, que les données ont été bidonnées là récemment. J'ai entendu ça à la radio ce matin sur le bilan carbone. On vient d'apprendre qu'il y a une grosse escroquerie de la part de certains États. Donc il y a urgence. Absolue de la bifurcation. Mais peut-être que ça n'est pas inéluctable, si inéluctable que ça, la catastrophe. On va passer après aux questions du public pour ne pas rester entre nous. Oui, Jean-Paul, je vais donner la parole. Juste donner un chiffre assez fascinant. L'historien Pierre Chaunu, il y a quelques années, avait estimé le nombre de morts sur la Terre. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 milliards d'hommes qui nous ont précédés sur la Terre. Et c'est assez fascinant que le nombre d'hommes qui nous a précédés, le nombre d'hommes sous nos pieds, soit équivalent au nombre d'hommes qui existent actuellement vivants sur le sol. C'est assez fascinant comme chiffre, comme équivalence des chiffres. Jean-Paul, je vais te donner la parole, puis après on passera la parole à Sébastien. Je crois qu'il a des questions du public à nous présenter. Oui, je ne voudrais pas avoir donné une impression catastrophiste, parce que ce n'est pas du tout mon point de vue. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là où nous en sommes actuellement, c'est une conséquence du néolithique. Mais à chaque fois, ça a été des choix inconscients, évidemment, mais des choix sociaux. Il y a des sociétés qui ont bien géré leur environnement. L'Égypte, ils sont restés presque identiques pendant 3000 ans. Il y a des sociétés qui sont allées dans le mur, les Mayas, la vallée de l'Indus, les sociétés mississippiennes, etc. Il y a un débat sur l'île de Pâques, etc. Donc, le problème, ce n'est pas une espèce de train fou qui aurait été lancé comme ça par hasard. Le problème, il est social et politique et culturel. C'est les choix que dans chaque société, il y a des sociétés très inégalitaires et en général, c'est plutôt celles-là qui finissent par aller dans le mur et il y a des sociétés qui se gèrent mieux. Donc, c'est plutôt un message d'optimisme. À part le plaisir d'être en visio ce soir grâce au néolithique et malgré la pandémie qui est grâce aussi au néolithique, il faut rester résolument optimiste. Juste un petit mot. Claudine, juste un mot avant que Sébastien passe la parole au public. Vas-y, écoute, non, je dis que peut-être le terme qu'on n'a pas prononcé encore, c'est celui de diversité des sociétés humaines. Et il me semble que même au paléolithique, où on a tendance à représenter ça comme une espèce de progrès marqué par des étapes, etc., eh bien, on connaît maintenant
toute une diversité de formes techniques, de représentations, de formes artistiques et probablement de relations entre les sexes et de rapports à la survivance. Donc je pense qu'il faut penser, comme l'avait montré Lévi-Strauss d'ailleurs, que cette diversité des cultures et des sociétés humaines, elle existe depuis très 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 longtemps. Et elle implique aussi des choix divergents dans différentes régions du monde. Peut-être que les questions du public vont nous permettre de rebondir et d'approfondir tout ça. Effectivement. Sébastien, vous êtes là ? Tout à fait, je vous retrouve. Effectivement, il y a quelques questions du public. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont adressées, je pense plutôt à M. Valentin, à propos de ses fouilles d'Étiole et de ce qu'il nous a présenté. Il y avait une question notamment de Coralie qui essayait de comprendre les similarités entre ce que vous avez montré entre l'Angleterre et l'Espagne, et comment se fait-il qu'il y a ces similarités alors que justement le commerce entre ces zones n'existait pas. Ça interroge beaucoup, effectivement. Ça interroge beaucoup comment des sociétés qui sont des sociétés à faible démographie, on l'a dit tout à l'heure, on peut estimer qu'il y avait à peu près 500 personnes il y a 15 000 ans en région parisienne, hein, par comparaison avec la démographie des chasseurs-cueilleurs mobiles plus récents. Et comment des sociétés à faible démographie, faible moyen de transport, surtout à pied, hein, peut-être un peu la pirogue de temps en temps, comment ils ont pu relayer des idées techniques difficiles parfois, et puis aussi des symboles si puissants qu'on peut imaginer derrière qu'il y a du prosélytisme. Des symboles qui renvoient à des religions, et par conséquent, s'ils se diffusent, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont laissés convaincre hein, de ces nouvelles idées, car ces idées ne sont pas immuables non plus. Tout ça nous fait apparaître en creux l'existence de réseaux d'alliances par lesquels circulent les échanges portant par exemple sur les coquillages de parures et des réseaux d'alliances, probablement des réseaux d'alliances matrimoniales et qui s'accompagnent très certainement à mon avis, c'est ça que je voudrais ajouter, de circulation importante de personnes, des gens qui vont vivre chez les uns et chez les autres, à la faveur des alliances matrimoniales. On ne peut pas expliquer autrement, on ne peut pas expliquer sinon, sans ces circulations de personnes, que l'on connaît assez bien chez les chasseurs-cueilleurs récents, à la faveur des alliances matrimoniales, on ne peut pas expliquer comment des idées techniques difficiles, par exemple, se sont diffusées. Il a bien fallu des moments d'apprentissage, de démonstration, de conviction aussi, changer ses anciennes manières de faire, etc. Voilà, donc ça en creux, ce qui apparaît, ce sont les réseaux d'alliances et qui traversent l'Europe de cette époque. C'est ce que Claudine aussi, peut-être tu pourrais nous parler de la théorie des grands-mères. Voudrait que les grands-mères, finalement, la démographie, ont fait que des femmes plus âgées ont pu transmettre. C'est assez loin de la question qui est là discutée. Non, un point, je reviens sur les grands-mères, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on retrouve quand même, alors pas aux mêmes périodes, mais au Gravettien par exemple, des symboles, des figurines féminines par exemple, on les retrouve depuis la Russie profonde et même la Sibérie jusqu'à l'Europe centrale et l'Europe occidentale, la France, etc., pratiquement selon le même schéma. Et ça implique que ce sont des gens qui circulaient, c'est quand même des nomades, c'est quand même des gens qui dont le mode de vie était de franchir, d'avancer, de chercher d'autres lieux, etc. Peut-être qu'ils revenaient dans les mêmes lieux, comme par exemple à Lascaux ou ces endroits magnifiques sont par exemple les Aizis qui encore aujourd'hui sont des lieux où on a envie de revenir. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait une circulation. C'était des gens qui parcouraient des kilomètres et des milliers de kilomètres. C'est le propre de l'humanité pendant une très, très, très grande partie de son existence. Quant aux grands-mères, alors là, c'est une autre affaire. C'est une théorie qui a été développée. Je voulais parler de la transmission, en fait. La transmission, qui a été développée pour penser la raison pour laquelle les femmes survivent, en quelque sorte, à la capacité de procréer. Hein, c'est-à-dire que pourquoi y a-t-il, au-delà de la ménopause, une survivance des femmes? Normalement, chez la plupart des primates, ils s'éteignent, ils meurent. Enfin, les femmes meurent, et les hommes aussi, après, jusqu'au moment de leur mort, peuvent procréer. Alors, cette idée d'une survivance à un âge assez avancé, avec tous leurs moyens
physique et psychologique et intellectuel, sauf celui de pouvoir procréer, il est expliqué selon un modèle qui assigne aux femmes les plus âgées la capacité de s'occuper des enfants, et donc de favoriser, donc ça aurait été favorisé par la sélection naturelle en quelque sorte, et en même temps de donner au groupe la possibilité de vivre mieux, aux femmes de pouvoir s'échapper du foyer si on veut, et d'aller ailleurs. Alors c'est aussi une capacité pour ces femmes plus âgées de pouvoir transmettre, de pouvoir éduquer les enfants, de pouvoir donc transmettre les valeurs, non seulement les savoirs techniques, mais aussi les valeurs, mais aussi les symboles, mais aussi toute cette richesse qui a été accumulée. Et moi, je suis convaincue, tu parlais des statuettes gravettiennes qui n'étaient pas érotiques. Moi, je suis convaincue, il y en a certaines qui le sont, hein, surtout au paléolithique supérieur, par exemple, angle sur l'anglin ou ailleurs. Mais en tout cas, ces femmes avec un ventre énorme, etc., et le sexe très, très marqué, et les seins, etc., sont, à mon avis, des femmes... sont des grand-mères, enfin, sont des femmes qui sont au-delà de leur période de ménopause, enfin, qui sont ménopausées et qui sont probablement des femmes qui avaient un rôle social très important, celui de la transmission, entre autres. J'ai une autre question pour Boris Valentin. Quelqu'un qui vous demande, en fait, qu'est-ce qui vous a permis de déterminer les saisons d'occupation des lieux sur le site d'Étiole ? C'est l'étude des restes de gibier, et en particulier l'étude des dents de jeunes animaux, des rennes. Les rennes naissent à date fixe aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils naissaient aussi à peu près aux mêmes dates autrefois. Et à partir de là, en étudiant la denture des jeunes rennes de moins d'un an et l'apparition, l'ordre d'apparition des dents, on peut déterminer le moment où le jeune renne a été abattu, et donc la saison de chasse. C'est comme ça qu'on procède. Une autre question, alors on revient sur la question de la place des femmes, donc peut-être plutôt adressée à Claudine Cohen, mais d'autres pourront rebondir. Mmh. En ce qui concerne l'art, peut-on imaginer que les... Donc c'est une question de Pauline, pardon. En ce qui concerne l'art, peut-on imaginer que les Vénus étaient davantage sculptées par les femmes que par les hommes ? C'est possible. Je pense que si ce sont des amulettes qui étaient donc à l'usage des femmes, si c'est des objets qu'elles portaient sur elles pour se protéger, etc., comme ce sont des objets qui sont faits, et on sait qu'ils sont faits en série, hein, on a vu des ateliers, par exemple, à Renancourt, où on a trouvé récemment toute une série de petites figurines, elles mesurent 5 cm, mais aussi à Grimaldi, hein, c'est des productions de série, on peut imaginer très bien que des femmes faisaient ça à leur moment perdu façonnaient ces petits objets qu'elles portaient sur elles pour se protéger de toutes sortes de mauvaises choses qui pouvaient leur arriver. Je pense que c'est très plausible. Je ne pense pas qu'elles seraient allées vraisemblablement demander à des hommes de les faire pour elles. Voilà. Alors, il y a plusieurs niveaux de technicité dans ces statuettes. Il y en a qui sont extrêmement élaborées. Par exemple, la Vénus de Lespugue, qui est une splendeur et qui est un chef-d'œuvre d'architecture à partir des formes du corps humain. Bon, on peut aussi imaginer des femmes artistes de talent, comme on peut imaginer aussi des hommes artistes de talent. Rien n'est exclu. Très bien, merci. Et Jean-Paul, peut-être que tu veux rebondir par rapport aux statuettes néolithiques. Je pense notamment à celle qui fait la couverture du livre d'Alain Testard, La déesse et le grain, la déesse couchée de Malte. Là. Elle est plutôt située dans un mouvement historique qui voit effectivement au moment où apparaît ce nouveau thème de l'homme en armes, qui n'existait pas jusqu'à présent. Il y a évidemment des statuettes masculines de temps en temps, des représentations phalliques, mais elles restent minoritaires pendant tout le néolithique. Quand apparaît l'homme en armes, la figuration féminine va passer à l'arrière-plan. Elle existera toujours. Jusqu'à maintenant, la déesse Kali, la Sainte Vierge, etc. Mais elle va devenir minoritaire. Et au moment où ça devient minoritaire, c'est plutôt dans les espaces périphériques de la,
de l'Europe que ces figurations féminines vont se maintenir, notamment dans les archipels à Malte ou dans les Cyclades, le fameux art cycladique, tout ça au quatrième millénaire à peu près. Donc c'est comme ça que je les verrai. Sinon, pour l'interprétation, je pense qu'effectivement, il faut rester aussi dans le pluralisme possible. Il y en a qui me semblent très érotisés. Dans ce cas-là, je les ai plutôt interprétés comme des témoignages de domination masculine. Mais tout est possible, d'une part, et effectivement, le fait que ces figurines soient faites, celles qu'on a fouillées en Bulgarie, là, sur ce site, où on a des centaines, mais une seule, celle que j'ai montrée, a pu être complétée, mais elle était de toute façon brisée. Le fait qu'elle soit faite pour être brisée, il y a eu toutes sortes d'études sur l'ensemble des Balkans qui confirment, ça veut dire quelque chose. C'est forcément des rituels sociaux. J'ai des collègues bulgares qui disaient, c'est peut-être au moment justement de l'accouchement et des difficultés de l'accouchement, etc., etc. Donc, je plaiderais plutôt pour une pluralité d'interprétations possibles en fonction des sociétés. Mais ce qui reste quand même dominant, c'est que pendant longtemps, on va beaucoup plus représenter des femmes que des hommes. Et ça veut forcément dire quelque chose. Et Étiole, oui. Le fameux, il y a la femme cauchemardesque du galet d'Étiole, parce que ces monstres dont tu parlais, ce sont les théranthropes, c'est des personnes à la fois animales et hommes. Et Étiole, c'est le seul théranthrope femelle, finalement, qu'on connaît dans l'art paléolithique. C'est assez impressionnant, cette espèce de caractéristique, ces organes sexuels secondaires, qui apparaissent là derrière le cheval. Ce qu'il faut préciser, comme tu le sais c'est très bien, c'est que les humains se représentent très très peu pendant le paléolithique récent en Europe. En Indonésie, on parlait tout à l'heure de l'Indonésie, il y a des représentations d'humains. Et les humains sont dissimulés quand ils apparaissent sous des attributs animaux. Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas des humains tellement dissimulés qu'ils sont représentés totalement sous forme d'animaux. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont des visages, des traits, etc. Les humains, quand ils sont un peu reconnaissables par nous, sont toujours affublés de caractéristiques animales. Et tu as raison, c'est effectivement probablement un des seuls êtres monstrueux qui associe des caractères féminins et des caractères animaliers. Mm-hmm. Tu voulais rappeler quelque chose, Claudine ? Oh, il y avait plein de choses, mais je ne veux pas non plus mobiliser la parole. D'abord, les statuettes brisées néolithiques, c'est très intéressant, mais on sait qu'à Castione, qui est en Russie, il y a 22 500 avant le présent, eh bien, on a aussi ces statuettes brisées intentionnellement, qui sont trouvées dans des... Non, c'est à Castione, qui est en Russie. Dans la vallée du Don, peut-être aussi à Dolny-Vestonitz, c'est possible. En tout cas, elles sont dans des fosses de détritus quand on les trouve. Donc, il y a aussi toute une question sur ce que c'est que ces œuvres qu'on dit artistiques aujourd'hui. Alors, pour une autre période, ce qui est de la fameuse dame de Malte, cette femme aux formes rebondies, elle a été trouvée dans une hypogée, elle a été trouvée dans une sorte de cimetière souterrain. Et il me semble que les autres statuettes maltaises, c'est pas évident que ce soit des femmes. Hein. Elles n'ont pas de seins, elles ont un bas du corps très développé, mais elles sont très plates. Et certaines interprétations en font des hommes. Donc il y a aussi le lieu où on trouve ces vestiges. Là, c'est une tombe, une hypogée. Et d'un autre côté, ce sont des temples en plein air où il y a des espèces de figures plus ou moins androgynes ou plus ou moins féminines. Puis un troisième point sur cette question des statuettes et des statues. Tu as parlé, Jean-Paul, des statues menhirs du Rouergue. Et on sait que certaines, elles sont soit mâles, soit femelles, soit elles ont des armes, oui. Elles sont décorées avec des armes, soit elles sont avec des colliers et qui en font des seins, qui en font des femmes. Et on sait aussi
que certaines ont été ont changé de sexe et elles ont été relookées comme des femmes, et qu'on on pense que ce sont des héros ou des héroïnes qui ont été ainsi portraiturées voilà, par les populations locales, et ce qui implique que les femmes pouvaient être aussi des héroïnes dans ces il y a aussi la question de l'hermaphrodisme dans l'art paléolithique. On a des représentations hermaphrodites. Oui, tout à fait. C'est une thématique très intéressante qui n'a pas été encore assez exploitée. Ah oui, puis on a des. Oh, oui, moi j'ai un travail en cours là-dessus, et aussi sur le fait que les statuettes elles-mêmes peuvent être vues selon l'angle où on les regarde, comme des femmes ou comme des sexes masculins. C'est aussi une autre. Sébastien, tu as une autre question? Pardon, excuse-moi. Oui, pour rester sur les questions de genre, j'ai encore une question de Coralie. Est-il possible que la société paléolithique ait été plus égalitaire en matière de genre? Peut-on en dire quelque chose? Moi, je pense oui. Personnellement, bon, je ne veux pas mobiliser la parole, mais je pense oui. Je pense que les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui savent qu'ils ne peuvent pas subsister s'il y a une domination trop violente des hommes sur les femmes, et si les femmes ne sont pas libres d'agir. Et très souvent, ce sont des sociétés beaucoup plus égalitaires que les autres. Je pense qu'au paléolithique, et aussi quand on voit tout le monde symbolique autour des femmes, et aussi les sépultures, et ce qui permet de voir un certain nombre de caractéristiques de cette différence des sexes, on pense qu'il y avait effectivement une égalité, une relative égalité, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas des formes, même symboliques, de dévalorisation. Boris, tu veux ajouter quelque chose? Oui, là, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la diversité des sociétés, des sociétés de chasseurs-cueilleurs récents, parce qu'on a des exemples très, très contrastés. Hein. Parmi les sociétés égalitaires, du point de vue du fait de l'absence de richesse, hein. Ce sont des sociétés toutes égalitaires chez ces chasseurs-cueilleurs nomades, et le statut des femmes est extrêmement varié. Et dans les sociétés les plus égalitaires que l'on connaisse, celles des aborigènes d'Australie, le statut des femmes est très peu enviable. Hein. Je renvoie aux travaux de Christophe Darmanja qui démonte un certain nombre de mythes sur ce sujet, puis aussi sur l'absence de guerre chez les chasseurs-cueilleurs égalitaires, qui vient de publier un très beau livre montrant aussi dans les sociétés aborigènes un niveau de conflictualité très, très, très élevé. Donc là, je pense qu'il faut se garder de généraliser. Néanmoins, ce qui est très intéressant, et là je te rejoins, Claudine, c'est d'examiner les écarts par rapport à la règle. La règle qui veut que dans ces sociétés, la place des femmes ne soit pas très enviable en général. Mais il y a des écarts. Il y a des écarts. De même qu'il y a des écarts par rapport au niveau de conflictualité, hein, souvent élevé. Et donc c'est intéressant de voir justement, et je reviens à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, ce sont des choix. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau de la génétique. Chaque fois qu'on fait les analyses génétiques, que ce soit chez les Néandertaliens d'El Cidrone en Espagne ou dans les sites de l'Atlantique, la femme est extérieure, c'est-à-dire qu'elle vient d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, comme disait Lévi-Strauss, la femme est un bien d'échange aussi. Enfin, il y a la question de l'exogamie, qui est un des paramètres. Enfin, Lévi-Strauss en a bien parlé, et même si c'est une vieille idée qui remonte à l'évolutionnisme du 19e siècle, Lévi-Strauss a bien repris cette idée de l'exogamie comme un des. Oui, je pense que. Bon, alors, les généticiens, j'en ai parlé avec Evelyne Neyer, qui n'est pas sûr que El Cidrone soit aussi évident que ça. Mais en tout cas, il y a 7 ou 8 hommes et 4 femmes, et les hommes viennent tous du même groupe, alors que les femmes viennent d'ailleurs. Alors, déjà, chez les Néandertaliens, qu'il y ait de l'exogamie, c'est un scoop. Enfin, c'est quelque chose de. Et on a la même chose au néolithique jusqu'à présent, toutes les analyses génétiques qui ont porté là-dessus, même si il y en a encore très peu, prouvent montrent que les femmes viennent d'ailleurs. Qu'on est dans, au niveau dans des le... analyses des dents aussi, il y a des femmes, je crois que en Europe atlantique, on a montré que certaines femmes avaient un régime alimentaire dans leur jeunesse, avaient mangé différemment que les autres hommes retrouvés alentour. Oui, mais cela dit, on a des sociétés
matrie locale dans certaines régions du monde, donc il ne faut pas non plus généraliser là, mais c'est vrai que pour l'Europe, en tout cas, les résultats qu'on a jusqu'à présent sont patrie locale, virie locale. Comment est-ce qu'on pourrait montrer qu'une société est matrie locale ? Ben, c'est l'inverse. Mais comment est-ce qu'on peut l'identifier d'un point de vue archéologique ? Ben, on peut l'identifier en tout cas normalement par le strontium, même si ça ne marche pas à 100%, et éventuellement par la génétique aussi, pour voir si c'est plutôt les hommes ou plutôt les femmes qui sont apparentés globalement à l'endroit où on fouille. Donc, par l'archéologie au sens l'étude de la culture matérielle, c'est évidemment plus compliqué. Mais pour l'instant, il semblerait que les sociétés préhistoriques aient été plutôt patrilocales. Celle du néolithique sur lequel on a des analyses, c'est-à-dire essentiellement en Allemagne jusqu'à présent. Mais heureusement, plein de choses encore à faire. Ça reste encore problématique pour le reste du paléolithique, ben oui, sauf l'histoire des c'est on peut pas, on peut pas préciser. Sur le paléolithique et le mésolithique, ce sont des tout petits échantillons. Tu évoquais aussi les travaux sur le mésolithique breton. Ce sont des analyses d'isotopes aussi qui montrent ce que les gens ont mangé juste avant leur mort, est-ce qu'ils ont mangé avant. Et effectivement, les femmes ont mangé beaucoup moins de poissons et de crustacés. Ce sont des sites côtiers. Et on imagine qu'elles viennent de l'intérieur, donc des terres. Et c'est comme ça, comme disait Jean-Paul, on va traquer les éventuellement des mouvements de population. Mais paléolithique et mésolithique, pour l'instant, on a très très peu. La base le corpus d'analyse est très faible. Donc il y a encore beaucoup de recherches. Pardon, excuse-moi. Tu as terminé ? Tu as terminé, Boris ? Oui, bien sûr. Sébastien, tu voulais nous rajouter une autre question ? Oui, peut-être on va terminer sur une dernière question qui est peut-être un peu plus méta et qui, je pense, s'adresse un peu à vous trois, voire à vous quatre, hein, spécialistes. Trouvez-vous tous en tant que spécialistes que l'image de la préhistoire s'améliore dans la culture du grand public ? Y a-t-il encore un hiatus important selon vous sur la perception qu'on peut avoir et le fruit de vos recherches ? Claudine, tu veux intervenir peut-être ? Tu veux commencer ? Écoutez, oui, moi je pense je pense que de toute façon la préhistoire passionne et on le voit à travers toute cette diffusion parfois très très large, hein, des découvertes. Alors tout ce qui concerne la génétique en particulier est très très largement médiatisé. Peut-être moins les découvertes de terrain plus longue échelle, hein, comme celle qui dure 50 ans à Étiole. Hein. Alors, bon, quand on trouve un fossile, il y a évidemment une conférence de presse, etc. Quand on fouille depuis 50 ans sur un site, c'est peut-être moins le cas. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a un grand intérêt du public pour la préhistoire, qu'il y a certains thèmes qui commencent à être retenus. Je vois que l'histoire de la femme devient presque, maintenant, chaque fois que je parle quelque part, on me dit, alors, c'est les femmes qui ont fait Lascaux. Bon, on est obligé de mettre un peu des limites à ce désir de faire exploser la présence féminine dans la préhistoire. Donc, je pense qu'il y a un grand intérêt. Je pense qu'il y a aussi des films parfois de vulgarisation qui sont un peu approximatifs. Et je pense qu'il faut aussi travailler sur ça, enfin, sur la diffusion sous la forme de choses. De choses de bonne qualité. Il y a aussi beaucoup de romans qui s'écrivent sur la préhistoire, parfois par des préhistoriens eux-mêmes, hein, et qui sont parfois de très bonne qualité aussi. Boris, tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense qu'il y a des mythologies persistantes. Hein. La magnifique exposition de Beaubourg, il y a 2 ans, le montrait bien. L'ensemble des mythologies que la modernité a construites autour de la préhistoire, qui sont exprimées à travers de nombreuses œuvres artistiques. Maintenant, le travail des chercheurs est de mieux en mieux connu, comme tu dis, Claudine. J'ai presque même l'impression qu'on vit un peu un moment préhistorique, hein, quand on voit l'offre et la demande éditoriale, les documentaires télévisés. Il y en a des très bons parfois. Il va y en avoir un très bon sur Arte bientôt. Hein, regardez bien. Regardez vos programmes d'Arte. Et
chose qui est très bénéfique, hein, c'est que la préhistoire est revenue dans les programmes de l'école primaire et de l'école secondaire en sixième. Elle avait disparu pendant plusieurs années et maintenant elle est à nouveau enseignée avec des manuels qui sont bien faits, je trouve. Et les historiens, donc, puisque c'est dans le programme d'histoire, les historiens, je crois, de plus en plus, acceptent l'importance de la source archéologique et acceptent aussi que l'histoire de l'humanité, ben, ça ne commence pas avec l'écriture. Voilà, et donc je pense que ça participe à la popularisation auprès de nos concitoyens de tous ces sujets, ces amples sujets. Et l'offre éditoriale est intense. Jean-Paul, je te laisse le mot de la fin. D'accord, c'est gentil. Sébastien, d'accord, c'est Sébastien qui va donner le mot de la fin, je ne sais pas. Effectivement. Quand j'avais pris mes fonctions à l'INRAP en 2002, il y avait une hostilité quand même encore assez forte. Je me souviens d'un certain nombre de commissions parlementaires contre l'archéologie qui servaient à rien, qui étaient du racket, etc. Et maintenant, ce genre de réaction a pratiquement disparu en 20 ans. Et c'est vrai que l'INRAP a aussi fait un gros effort de communication. Il y a eu de grosses expositions à la Cité des Sciences, même si c'était pas de la préhistoire. Il y a les journées européennes de l'archéologie maintenant depuis 11 ans. Donc on voit bien qu'il y a, et heureusement les hommes politiques sont réalistes quand ils voient que leurs électeurs s'intéressent à l'archéologie. Alors cela dit, effectivement, pourquoi cet intérêt pour l'archéologie? Je pense que ça s'explique aussi pour par rapport aux angoisses actuelles, où allons-nous, les angoisses écologiques, les catastrophes, les épidémies, et que donc, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, l'archéologie, c'était juste un aimable passe-temps. Là, maintenant, c'est devenu un objet de réflexion. Le mot néolithique, il y a 30 ans, je pense qu'on l'aurait prononcé, personne dans la rue savait ce que c'est. Maintenant, j'ai été des fois sur des plateaux de télévision où on discutait du néolithique, ce qui aurait été impensable, effectivement, il y a 20 ans. Donc, je pense qu'il y a un approfondissement, au moins en France, de la réflexion de nos concitoyens sur l'histoire en général et donc la préhistoire, puisque là, dont on vient, qui s'explique comme ça et qui nous engage aussi, c'est pas qui fait que l'archéologie et la préhistoire, c'est pas juste pour nous faire plaisir, même si ça nous fait très plaisir, il y a aussi un rôle citoyen et on est payé pour ça et on a montré effectivement à quoi ça sert et les questions qu'on a à nous poser et le fait qu'effectivement, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, ces choses-là nous appartiennent et ce n'est pas quelque chose qu'on subit. La société... Dans votre livre « Où est passée l'histoire de France ?», vous racontiez bien ça, justement, qu'avant, les politiques s'intéressaient plutôt à l'archéologie des sociétés avec écriture, des sociétés égyptiennes ou antiques. Oui. Maintenant, il y a quand même un intérêt pour les sociétés sans écriture et dont les témoignages matériels sont moins spectaculaires, quoi. Oui, parce qu'effectivement, le fameux, comme le disait Boris, la préhistoire avait disparu, même les Gaulois, et l'arrêté de 2008 disait « on commence avec les grandes civilisations », ce qui était quand même un a priori idéologique pas innocent, parce que ça veut dire qu'on ne s'occupe pas, ce qui compte c'est les États, leur police, leur clergé, etc., on ne sait pas, on ne s'occupe pas de comment on est arrivé là. Or, le fait de s'interroger sur le développement de l'État, des inégalités, ça pourrait être fait au-delà de la sixième, et j'ai eu plusieurs fois des tables rondes très intéressantes avec des collègues du primaire et du secondaire sur l'enseignement de l'histoire ancienne et de l'archéologie, et on m'a dit aussi dans le livre que vous citiez là, de 2012-2013, ça avait fait partie des choses qui ont remis de la préhistoire et des Gaulois et de l'histoire ancienne au moins en sixième. Mais il faut continuer, effectivement. Sébastien, vous voulez conclure ou voilà, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut ajouter quelque chose encore?
Je vais conclure la rencontre. En tout cas, merci beaucoup, Romain Pigeot, pour l'animation de cette séance. Je remercie bien sûr aussi chaleureusement les intervenants de ce soir, Claudine Cohen, Boris Valentin et Jean-Paul Demoule. Merci pour vos présentations vivantes, claires, pédagogiques, qui ont passionné notre public. Je remercie bien sûr aussi l'ensemble des collègues de la régie audiovisuelle et de la communication de la Bibliothèque publique d'information qui ont permis la diffusion de cette rencontre dans les conditions les plus confortables. Vous pourrez la retrouver donc en replay sur la page Facebook de la BPI immédiatement après d'ailleurs cette rencontre et dans quelques semaines sur notre web télé ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs sur ces mêmes médias, vous pouvez déjà regarder revoir la séance d'introduction que nous avions faite il y a 15 jours avec Claudine Cohen, séance en dialogue avec Claudine Cohen d'introduction à ce cycle, ainsi que la rencontre d'il y a 15 jours sur les hommes fossiles. Pour celles et ceux qui veulent prolonger la thématique de la rencontre, vous pouvez bien sûr consulter et télécharger sur notre site web une bibliographie, donc site web, pardon, bpi.fr, une bibliographie sélective dans laquelle vous retrouverez les ouvrages des intervenants d'il y a 15 jours, mais aussi de ce soir. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous le 7 juin prochain pour la troisième rencontre de ce cycle, alors toujours en direct de la page Facebook et de la web télé de la BPI. Alors on espère aussi que nous pourrons être sur place et que vous pourrez être dans la salle, mais nous le confirmerons d'ici quelques semaines. Donc pour une rencontre qui sera intitulée « Nouveau regard sur les arts préhistoriques » avec les archéologues Carole Fritz et Francesco Derico ainsi que l'anthropologue Jean-Loïc Lequelec. La séance sera animée ce soir-là par Claudine Cohen. Très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.